Bonjour à toutes et à tous. Il est 17h30 et nous pouvons commencer notre séance. Donc, en cette fin d'après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir M. Papendiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre disponibilité pour cette audition que nous avons souhaité centrer principalement sur deux sujets, la mixité sociale et scolaire d'une part et la préparation de la rentrée scolaire d'autre part. Donc, s'agissant de la mixité sociale et scolaire, qui était l'une des priorités de votre ministère, deux séries de mesures ont été annoncées au mois de mai. Il s'agit d'abord de créer dans chaque académie une instance associant collectivités, parents d'élèves et rectorats, et qui devra définir une feuille de route pour réduire les différences de recrutement social entre établissements de 20% d'ici 4 ans. Donc, la création de ces instances devait intervenir avant l'été. Est-elle aujourd'hui effective et quels leviers pourront-elles actionner ? Il s'agit également de mettre à contribution les établissements privés, lesquels se sont engagés à augmenter au minimum de 50% en 5 ans le nombre d'établissements proposant des modulations tarifaires en fonction des revenus des parents, ainsi qu'à augmenter le nombre d'élèves boursiers. Pouvez-vous faire le point sur ces différentes mesures, leur calendrier et les résultats attendus ? Et par ailleurs, et quand bien même nous amorçons seulement la première semaine des vacances scolaires, la préparation de la rentrée prochaine vous occupe depuis un moment déjà et soulève quelques questions. À nouveau, les concours de recrutement des enseignants du premier et du second degré n'ont pas permis de pourvoir tous les postes ouverts, avec plus de 15% de postes non pourvus dans le second degré général et technologique et plus de 25% pour l'enseignement au lycée professionnel. S'agissant du premier degré, vous avez indiqué que tous les candidats sur liste complémentaire seraient appelés. Quelles sont les autres mesures envisagées pour garantir à chaque élève d'avoir un enseignant dans chaque discipline à la rentrée ? Et pouvez-vous préciser de quelle manière le recrutement des enseignants à Bac plus 3 pourrait contribuer à remédier à la crise d'attractivité de la profession et quel est le calendrier envisagé ? Donc après ces quelques propos liminaires et questions, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux d'être parmi vous quelques jours après le début des vacances scolaires. Et je vais revenir à votre invitation sur la préparation de cette rentrée avec des objectifs qui sont clairs pour le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Instruire les élèves et rehausser le niveau général. Assurer la présence d'un professeur dans chaque classe et faire de telle sorte que les élèves bénéficient de l'ensemble des heures qui leur sont dues, et enfin accueillir en sécurité les élèves et les personnels dont les établissements ont été touchés par les violences urbaines de la fin du mois de juin. À ce sujet, si vous me permettez un mot sur la séquence émeutière qui a été très violente dans l'ensemble du pays, notre responsabilité dans les mots et dans les actes est grande. Je l'ai dit et je le redis à nouveau, s'en prendre de cette manière aux bâtiments publics, mais aussi à des commerces et s'en prendre aux écoles, c'est inexcusable, cela doit être condamné et la justice passe. Mais nous devons aussi nous poser question. Dans certains territoires, des phénomènes d'inégalité, de relégation, mettent en péril la réussite et l'avenir de nos jeunes. Le taux de chômage a baissé dans les quartiers prioritaires de la ville, mais il est encore très élevé, 2,5 fois plus élevé. Nous devons nous attacher à résoudre cette question d'accès à l'emploi, qui est liée à des questions de formation, mais aussi à des questions de discrimination. L'école peut beaucoup, elle est un vecteur d'émancipation, mais elle ne peut pas tout. C'est pour ça aussi qu'il est nécessaire de travailler sur la responsabilité des parents, leur implication dans le parcours scolaire de leur enfant. Les parents doivent soutenir les professeurs dans leur rôle, et c'est aussi grâce aux parents que nous restaurons l'autorité des enseignants et leur place dans la société. Il faut reconnaître les difficultés spécifiques qui se posent dans certains territoires, combattre les inégalités à la racine. Justement, il y a quelques jours, le président de la République présentait lors d'un déplacement à Marseille les mesures que nous avions élaborées pour les quartiers prioritaires de la ville. L'accueil continu de 8h à 18h dans les collèges, la généralisation des cités éducatives, le développement de l'accueil des enfants dans les toutes petites sections dès 2 ans.
Dans ces perspectives, nous avons élaboré la feuille de route pour les prochains mois. La circulaire de rentrée, il est possible que vous l'ayez eue, je pense qu'elle vous a été envoyée très bien, a été envoyée au personnel de l'éducation nationale la semaine dernière. Et cette feuille de route met en avant et met au premier plan deux outils qui vont contribuer à changer les choses. D'une part, le pacte enseignant qui va assurer une meilleure continuité des enseignements avec le renforcement du remplacement de courte durée notamment, mais aussi des missions nouvelles assurées par les professeurs volontaires, plus de français et de mathématiques en sixième, des élèves mieux accompagnés avec la généralisation de devoirs faits en sixième, par exemple. Et puis le CNR éducation, plus de 18 000 écoles et établissements, soit à peu près 30% de l'ensemble, se sont inscrits dans cette démarche de concertation et d'innovation pédagogique qui est appuyée par un fonds qui a été abondé à hauteur de 150 millions d'euros pour l'année 2023. En fonction de ces outils, des évolutions majeures vont avoir lieu de l'école primaire au lycée. D'abord, à l'école primaire, l'acquisition des savoirs fondamentaux sera encore renforcée avec le déploiement des évaluations nationales en CM1, également en quatrième. Nous poursuivons le dédoublement des classes de grande section de maternelle. Nous serons à environ 85% à la rentrée 2023 et à 100% à la rentrée 2024. Le déploiement de la nouvelle classe de 6e, j'en parlais il y a un instant avec le dispositif Devoirs faits et l'heure du soutien approfondissement en français et en mathématiques. Au lycée général et technologique, une heure et demie de mathématiques introduite dans le tronc commun pour que les élèves qui ne suivent pas la spécialité mathématique puissent néanmoins avoir cet enseignement de mathématiques qui est absolument essentiel. Et puis au lycée professionnel, la réforme qui se déploie dès la rentrée, avec des groupes à effectifs réduits pour les savoirs fondamentaux, la gratification des périodes de stage pour motiver les élèves, la création de bureaux des entreprises pour assurer une insertion facilitée dans les stages et dans l'emploi, et un rapprochement entre le bassin d'emploi en général et puis les lycées professionnels. Enfin, l'organisation de la scolarité et des examens, qui est évidemment là aussi un point essentiel. Vous savez que cette question de la reconquête du mois de juin, elle est très ancienne. L'un de mes collaborateurs me signalait que déjà à l'époque de Xavier Darcos, on parlait de reconquérir le mois de juin. Ça n'est pas fait. Pour le moins, j'ai chargé un recteur honoraire, le recteur William Marois, d'une mission qui vise à reconfigurer le troisième trimestre au collège et au lycée. Il est clair que nous avons comme absolue priorité le fait que les apprentissages puissent s'effectuer jusqu'au dernier jour de l'année scolaire. Vous savez aussi qu'il y a une problématique spécifique pour l'année de terminale, puisque nous avons, et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs il y a un an, nous allons organiser le bac selon les modalités prévues et nous regarderons ce qu'il en est. La réforme du bac était très utile, elle a marqué des bénéfices pour les élèves. Néanmoins, les modalités d'organisation doivent être revues, puisque après la tenue des épreuves de spécialité entre le 20 et le 22 mars, nous avons observé de manière générale un désinvestissement des élèves, parfois plus, de manière telle que des semaines entières de cours ont été perdues. En lien avec la ministre de l'Enseignement supérieur, des décisions seront annoncées dans les semaines à venir pour que chacun puisse s'organiser et pour faire de telle sorte que l'on ne perde pas ces semaines de programme. Un mot peut-être, si vous me le permettez, sur la revalorisation des personnels, avec, à partir là aussi du 1er septembre, des professeurs mieux revalorisés grâce aux mesures de revalorisation annoncées au printemps et que j'ai eu l'occasion de présenter ici. De part, une revalorisation socle, d'une part, et puis une revalorisation liée à de nouvelles missions
D'autre part, pour la revalorisation socle, c'est-à-dire entre le premier et le septième échelon, des hausses de rémunération qui vont de 7,8 à 11,2%. C'est moins pour les professeurs plus expérimentés, c'est compensé par un accès facilité à leur classe et à la classe exceptionnelle pour les professeurs très expérimentés. À quoi s'ajoute bien sûr le 1,5% d'augmentation du point d'indice présenté par le ministre de la fonction publique il y a quelques semaines. Du côté des élèves, l'accueil des élèves en situation de handicap va être encore renforcé dans la foulée des annonces et des réformes issues du CNH du 26 avril dernier, et des réformes présentées par le président de la République, et je serais heureux de préciser un certain nombre de points si vous le souhaitez, de même que la question de la santé mentale des élèves, qui est une question qui nous préoccupe, et je travaille là-dessus avec le ministre de la Santé. La question de l'éducation à la sexualité, j'ai eu l'occasion d'ailleurs devant le groupe de l'égalité femmes-hommes de présenter un certain nombre de points liés à cela il y a 2 semaines. Et puis enfin, la lutte contre les inégalités sociales et scolaires, Madame la Présidente, à laquelle vous faisiez allusion. Et là aussi, j'aurais plaisir à détailler un certain nombre de points n'oubliant pas la question de l'école en ruralité et de ce que nous avons annoncé à propos du plan ruralité et d'une visibilité pour les élus locaux à 3 ans à partir de la rentrée. La lutte contre le harcèlement fera aussi l'objet d'une mobilisation à la rentrée, comme annoncé avec la Première ministre, généralisation du programme phare au lycée. Nous allons nommer un référent rémunéré dans les collèges qui va veiller à la bonne application du programme phare, dont nous savons, quand il est bien appliqué, qu'il est efficace. Et puis, bien sûr, un lien avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les référents dans les parquets, mais aussi dans les gendarmeries et les commissariats, de manière à ce que d'éventuels dépôts de plaintes soient bien pris en compte et bien traités. C'est la loi Balanan qui nous le permet depuis mars 2022. Nous insistons aussi sur la mobilisation des parents. C'est dans ce sens que nous préparons des documents pour la rentrée. Parce que si les parents peuvent être des parents d'enfants harcelés, ils peuvent aussi être des parents d'enfants harceleurs. Et donc il faut aussi rappeler les parents à leur mission de sécurité, de santé et de scolarisation des enfants, aider bien entendu les parents qui, pour X et Y raisons, ont des difficultés dans leur vie quotidienne, dans leurs horaires de travail, pour suivre leurs enfants. Autre mission liée à l'espace protecteur de l'école, c'est le principe de laïcité que nous devons faire appliquer strictement, auquel nous devons faire adhérer les élèves. Transparence, fermeté, pédagogie, nous publions chaque mois les données. Nous continuons à aider les personnels et les chefs d'établissement en matière de formation à la laïcité. On est aux alentours de 280 000 personnels formés, dont 8 000 personnels de direction sur les 14 000. Nous préparons aussi une nouvelle circulaire qui sera publiée à la rentrée avec des exemples concrets de situations et aussi un intérêt et marqué dans la circulaire pour des formes d'atteinte à la laïcité qui ne relèvent pas de la loi de 2004, mais qui sont néanmoins très importantes, contestation pédagogique, ou bien refus de participer à certains cours. Ces principes-là doivent être à la fois traités avec toute la fermeté qu'il faut, mais aussi sous l'angle pédagogique. C'est la mission de l'école. Et j'ai saisi à cet effet le Conseil supérieur des programmes à propos de la réécriture des programmes de l'enseignement moral et civique, dont j'ai annoncé récemment le doublement du volume horaire de 18 à 36 heures pour cet enseignement à partir de la rentrée 2024, pour un enseignement peut-être dépoussiéré, plus incarné,
qui permettent de mieux transmettre les valeurs de la République. Vous le voyez, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes pleinement engagés pour que, après une année de travail et de préparation, la rentrée 2023 marque un changement mesurable, concret, palpable pour les élèves, pour les professeurs et pour les familles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propos liminaires. Et maintenant, nous allons passer aux orateurs de groupe pour 2 minutes par groupe. Et nous allons commencer avec Cécile Rilhac pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Donc, il y a un an, vous vous teniez devant notre commission afin de détailler votre plan d'action pour l'éducation nationale. Un an plus tard, nous pouvons esquisser un premier bilan qui confirme que l'éducation est bien l'une des priorités de cette majorité. La revalorisation des personnels de l'éducation nationale, la consolidation des mathématiques et du français dans les programmes scolaires, de l'école primaire au lycée, le renforcement de la pratique de l'écriture, la réforme complexe du lycée professionnel, la poursuite de la lutte contre le harcèlement scolaire ou encore l'affirmation d'un plan de renforcement de la laïcité. Cependant, nous avons encore de nombreux défis à relever. Je souhaiterais tout d'abord revenir sur la revalorisation des salaires des métiers de l'éducation, très attendue, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous rappeler comment sera octroyée la part inconditionnelle de cette enveloppe de 3 milliards d'euros sur une année, qui confirme une réelle hausse des salaires dès le mois de septembre prochain pour l'ensemble des personnels enseignants? Aussi, pouvez-vous également nous apporter des précisions sur la mise en œuvre des pactes enseignants dans nos écoles, collèges et lycées à la rentrée prochaine? Je voudrais aussi évoquer, j'ose le dire, la persistance d'une forme de ségrégation scolaire sur nos territoires. En effet, certains établissements scolaires continuent de concentrer des élèves appartenant à des milieux socialement homogènes, qu'ils viennent des familles les plus privilégiées ou au contraire de celles qui rencontrent les plus grandes difficultés. Or, la mixité est un facteur de réussite. À cet égard, en mai dernier, vous avez présenté un plan en faveur de la mixité à l'école. Pouvez-vous nous préciser les principales actions prévues par ce plan et nous faire un point sur le calendrier de la mise en œuvre de ces mesures? Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, je ne vous interrogerai pas sur la direction d'école ni les décrets d'application de la loi du 21 décembre 2021 qui sont attendus dans les prochains jours pour entériner l'accélération de carrière des directrices et des directeurs d'école et réécrire leur mission en adéquation avec leurs fonctions si fondamentales pour nos écoles. Mais pour ma troisième et dernière question, je souhaiterais vous interroger sur le sujet des concours et j'en profite pour adresser mes félicitations aux lauréats de la session 2023. Monsieur le Ministre, je partage votre volonté de modifier la place du concours de recrutement et de professionnaliser davantage le Master MEF. Pouvez-vous nous donner des indications sur la teneur des prochaines évolutions relatives au recrutement et la formation initiale des enseignants? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Roger Chudeau. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous connaissez sûrement la comptine « Vive les vacances, plus de pénitence, les cahiers au feu et les maîtres au milieu ». Je trouve que cette comptine trouve un écho sinistre en cette fin d'année scolaire avec les émeutes qui ont détruit 243 écoles et dont 10 totalement, comme vous l'annonciez vous-même. Monsieur le Ministre, le système éducatif se délite. Après 5 ans de hollandisme et 6 ans de macronisme, l'école est en plein naufrage. Je ne suis pas le seul à le dire. Cela est parfaitement répandu dans l'opinion publique et dans les médias. Votre politique, Monsieur le Ministre, s'inscrit dans cette sinistre continuité. Prenons vos priorités, les fondamentaux. Vous affirmez que le primaire est votre priorité et vous supprimez 1600 emplois de professeurs des écoles sans sourciller. Au collège, vos priorités sont illisibles. Vous augmentez l'UMC, vous allez faire de l'éco-formatage avec nos élèves. Il y a une heure de français en plus, en fait c'est une demi-heure de français en plus, ça n'est pas une réforme. Au lycée, vous avez, malgré tous les avertissements qui vous sont parvenus de la part du corps enseignant et de notre part à nous, persisté dans la mise en place du bac Blanquer, et maintenant vous découvrez, pompier pyromane, que non seulement le mois de juin n'existe plus, mais le trimestre n'existe plus. Voilà, et ça c'est vraiment votre œuvre directement. Alors, par contre, vous êtes extrêmement disert sur des sujets qui ne vous regardent pas, comme l'a dit tout à l'heure, avec une certaine vigueur, je dois dire, mon collègue Gosselin du groupe LR. Et moi, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous interroger sur ce que nous disent les émeutiers, voyez-vous. C'est le triomphe du communautarisme dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est l'échec de 40 ans de réseau d'éducation prioritaire. C'est l'échec de l'assimilation qui est la première mission de l'école. Et là-dessus, vous ne dites pas un mot. Donc je suis désolé, Monsieur le Ministre, mais je voulais conclure. Vous voyez, vous devez faire l'Odyssée, je vais conclure avec Ulysse. Mais en fait, il n'y a même pas de naufrage. Le naufrage est achevé. Je vous vois plutôt en commandant du radeau de la Méduse. Je vous remercie. Pour LFI NUPES, Léo Valter.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vendredi, vous l'avez dit, c'était la sortie des classes, même si certains élèves, vous l'avez dit aussi, n'avaient plus cours depuis plusieurs semaines. La reconquête du mois de juin s'étant transformée par la grâce du bac Blanquer en bérésina du mois d'avril. Une fois de plus, élèves et professeurs ont quitté leur établissement sans savoir ce que sera la prochaine rentrée scolaire. Une fois de plus, ils en seront réduits à scruter la presse pour savoir à quelle sauce indigeste ils seront mangés à la rentrée. Sans même parler de l'angoisse des milliers de bacheliers qui attendent encore leur affectation sur Parcoursup ou des lycéens professionnels qui voient disparaître leur filière, personne ne sait si en REP les petites deux ans auront classe, si les collégiens seront accueillis de 8h à 18h, si les vacances d'été seront raccourcies. Et à voir votre réaction à Marseille, on peut légitimement se demander si vous le savez vous-même. Et le pacte enseignant ? Ni fait ni à faire, ni négocié, ni négociable, et d'ailleurs massivement rejeté, il se réduit en fait à l'heure de soutien en collège pour le premier degré et au remplacement court pour le second. Vous affirmiez que les classes découvertes, entre autres, seraient prises en compte ? Eh bien non. Brique obligatoire, brique optionnelle, les enseignants ont l'impression de jouer une version absurde des Lego où aucune pièce ne s'emboîte et dont le but n'est pas de construire mais de défaire. Un jeu dangereux qui sème la discorde et détruit les collectifs de travail. Et voilà que la Cour des comptes propose de désétatiser l'éducation nationale, de casser le statut des enseignants et de supprimer les concours. Le Conseil supérieur des programmes de Blanquer lui emboîte le pas, assumant de disloquer le cadre national du service public d'éducation. Bref, on file tout droit vers l'inévitable privatisation de l'école prônée par l'Institut Montaigne, vers le modèle hongrois de Viktor Orban. C'est ça, une école qui instruit, émancipe et protège, selon le titre de votre circulaire de rentrée ? Je ne vous pose pas vraiment la question, Monsieur le Ministre. J'espère simplement avoir su vous faire entendre la détresse, l'épuisement et la colère d'une école que vous avez abandonnée et que votre président n'en finit pas de pointer du doigt et de mépriser. Pour les Républicains, Alexandre Portier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, au lendemain des émeutes, de nombreuses voix ont souligné que la réponse devait être non seulement sécuritaire, mais aussi scolaire. Seulement, les pistes envisagées par le gouvernement m'interpellent. Accueil dans les établissements scolaires de 8h à 18h, réduction des vacances d'été, maternelle de 2 ans. En somme, il s'agit d'arracher toujours plus l'enfant au cadre familial. Or, Monsieur le Ministre, comment ne pas voir que c'est précisément derrière ces émeutes le signe de l'échec de ce modèle-là ? Est-ce que c'est, quand on regarde ces événements, l'école qui a péché ? Moi, je ne le crois pas. Durant ces nuits d'émeutes, qui aurait dû descendre dans la rue pour ramener ses gamins à la maison ? Est-ce que c'est les enseignants ? Non. Ce sont bien les parents qui auraient dû, d'abord et derrière leurs enfants. L'école ne peut pas se substituer aux familles, vous l'avez dit, mais c'est important de souligner, et elle ne le doit surtout pas. Or, cela fait des décennies que l'on charge l'école de toujours plus de missions, des décennies que l'on dessaisit les familles de leur autorité, de leur rôle, de leur légitimité. Et l'on continue. Pas deux jours, Monsieur le Ministre, ne passe sans une annonce. C'est un feu d'artifice permanent dans lequel plus personne ne se retrouve. On mélange tout, on veut tenir l'école responsable de tout, et pour quel résultat ? Dans cette période de troubles et de tempêtes, au lieu de clarifier le rôle de l'école, ou le diluer encore un peu plus chaque jour. La seule chose sur laquelle on attend l'école, c'est l'instruction. Et ça, elle ne le fait plus correctement. S'il y a pourtant bien un sujet sur lequel il devrait y avoir ici une forme d'union sacrée, c'est de faire que nos enfants réussissent. Le niveau de nos enfants baisse, tout le monde le constate, et il baisse d'autant plus que celui de nos enseignants baisse encore plus. Ce n'est pas une critique, c'est juste un fait malheureux. Et au lieu d'en faire la priorité absolue, vous faites de l'école le laboratoire permanent de tous les maux de la société, si bien qu'on y parle de tout, mais même plus de transmission des savoirs. Comme si les enseignants, au fond, étaient devenus des assistantes sociales ou des éducateurs de quartier. Et là, il faut maintenant siffler la récréation, il faut arrêter la surenchère. L'école ne peut pas tout, l'école ne doit pas tout, que chacun fasse sa part, parents compris. Et ce principe, c'est non seulement à vous de le rappeler, Monsieur le Ministre, mais surtout à vous de le faire respecter. Que comptez-vous faire pour cela ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, Estelle Follest. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la France connaît un contexte des plus difficiles après plusieurs nuits d'émeutes qui ont abouti à des destructions, des incendies et des pillages dans toute la France. Ces émeutes sont le fait de jeunes souffrant notamment d'une absence flagrante de cadre et d'autorité. Le Président de la République l'a dit, les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants, bien entendu, mais l'école doit également jouer un rôle central pour faire des citoyens et créer ainsi les conditions de la cohésion nationale. J'avais déjà eu l'occasion de le dire dans cette même salle il y a presque un an, jour pour jour. Le premier devoir d'une République est de faire des républicains, selon la formule consacrée de Ferdinand Buisson, dont je rappelle qu'il fut directeur de l'enseignement primaire en France à la fin du 19e. La Première ministre a annoncé mercredi dernier la refonte de l'enseignement moral et civique, refonte dont vous avez précisé, Monsieur le Ministre, qu'elle comprendrait deux volets.
D'une part, le doublement du volume horaire au collège et d'autre part, la révision des programmes du CP à la terminale. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette refonte que nous avons également appelée de nos voeux il y a quelques mois, ici même. Il est en effet fondamental que nos élèves se réapproprient la grande histoire de France, celle des guerres de religion, de la philosophie des Lumières, de l'avènement de la République et avec elle de la laïcité qui arrive par l'école 20 ans avant la loi de 1905, je le souligne. Je n'oublie pas évidemment la citoyenneté, jumelle de la laïcité qui est depuis bien trop longtemps la grande oubliée. Monsieur le ministre, cette refonte de l'EMC ne devrait pas, me semble-t-il, être mélangée avec toute autre discipline. Cela aurait pour conséquence d'engendrer de la confusion dans l'esprit des élèves. Pouvez-vous nous dire comment l'enseignement moral et civique en soi peut constituer l'un des piliers d'une refondation républicaine à laquelle l'école doit prendre toute sa part? Je vous remercie. Merci. Pour les socialistes et apparentés, Fatia Kelouachi. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous nous avez présenté les mesures en faveur d'une meilleure mixité sociale dans notre école que le gouvernement pense suffisantes pour régler un problème de fond dans notre pays, la ségrégation sociale dans nos établissements scolaires. Dans de trop nombreuses communes, les élèves favorisés et très favorisés sont majoritairement et très majoritairement entre eux et les élèves défavorisés et très défavorisés sont ailleurs. Avec la publication des indices de position sociale que nous saluons, ce problème est largement posé. Il faut maintenant agir pour améliorer sensiblement la mixité sociale à l'école. Toutes les mesures que vous proposez ne vont pas dans le mauvais sens, Monsieur le Ministre, mais pour le groupe socialiste, elles ne nous semblent pas du tout assez ambitieuses. Ce sont des mesures qui peuvent corriger à la marge, mais qui n'agissent pas durablement pour une plus grande mixité. De plus, je souhaiterais attirer votre attention sur deux points particuliers. Le premier point, c'est le problème de l'évitement scolaire par le biais de l'enseignement privé, qui ne sera pas réglé par les mesures que vous proposez. Il ne s'agit pas de remettre en cause la liberté scolaire, mais de réfléchir à la part que chacun doit prendre pour que la France continue à faire nation. Pour nous, cela doit passer par des mesures fermes, par exemple la mise en place d'un système d'incitation financière de bonus-malus sur une partie de la dotation de fonctionnement selon le niveau de mixité via l'IPS pour les établissements publics comme privés. Le second point, c'est une inquiétude concernant les annonces du président à Marseille et sa volonté d'ouvrir les collèges REP et REP+, de 8h à 18h. Sur le fond, je ne suis pas sûre que passer 12 heures par jour à l'école permette d'aimer l'école. De 8h à 18h, ça fait bien 10h. Par ailleurs, le président annonçait, dans la même semaine, réformer les vacances, afin, je cite, d'alléger les semaines qui était toujours trop fatigante pour les élèves. Madame la députée, votre question, parce que là, vous avez déjà largement débordé. Pardon, je pose ma question tout de suite. Les semaines ne peuvent pas être trop légères pour les élèves les plus pauvres et trop fatigantes pour les autres. Monsieur le ministre, donc ma question, qui s'occupera de nos élèves de 8h à 18h et quelles seront les activités pédagogiques proposées en REP et en REP? Merci. Pour Horizon et Apparenté, Agnès Carrel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre exposé clair. Comme vous le savez, je présenterai demain devant cette même commission les travaux de la mission d'information de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le bilan et panorama d'éducation prioritaire en France pour laquelle j'ai été rapporteur. Je me réjouis que le président de la République et vous-même m'ayez devancé en ayant annoncé certaines mesures qui vont pour certaines dans le sens des préconisations qui sont dans mon rapport. Je ne détaillerai pas ces mesures puisqu'elles seront exposées demain. Néanmoins, j'en ai pour certaines un petit peu, voilà, elles vont un peu plus loin que les vôtres. Mais je souhaiterais revenir sur une des mesures annoncées à Marseille. Les collèges seront progressivement ouverts de 8h à 18h dans les quartiers d'éducation prioritaire, à commencer par Marseille, pour lutter contre l'inégalité scolaire. Dans vos quartiers, dit Monsieur le Président, vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8h à 18h à minima, a-t-il précisé. De toute façon, au-delà de 8h à 18h, je pense qu'il nous reste que l'internat, c'est pas possible autrement.
Cet accueil continu devrait être expérimenté dès la rentrée prochaine, grâce à des heures supplémentaires proposées aux élèves à travers le dispositif « Devoirs faits » mis en place dans une partie des établissements où des enseignants volontaires aident les élèves à faire leurs devoirs avant de rentrer à la maison ou encore en participant à des activités sportives et culturelles. Si je peux comprendre cette mesure comme un moyen d'éviter que les collégiens soient parfois livrés à eux-mêmes, je ne peux que vous interroger sur les effets d'une telle pratique. Le dispositif « Devoirs faits » semble aller dans le bon sens, car il permet aux élèves volontaires et souvent en difficulté d'être accompagnés dans leurs devoirs. Mais l'extension du dispositif peut avoir des effets négatifs. À l'aune des récents événements, la question de la parentalité est revenue sur le devant de la scène. Au moment où l'on demande aux parents de jouer pleinement leur rôle d'éducateur et transmetteur des principes et des valeurs à leurs enfants, et c'est bien normal, une telle mesure semble renvoyer un message contraire. Si le dispositif « devoir fait » essaie tant bien que mal de garder un lien avec le collège en informant les parents des avancées des devoirs, l'ouverture des collèges sur tel créneau, dont les détails ne sont pas encore très clairs, semble déresponsabiliser les parents. En rentrant après 18h30... Madame la députée, votre question. Quel temps reste-t-il aux parents pour prendre pleinement leurs responsabilités ? Le message subliminal est-il « laissez tomber, on s'occupe de tout » ? Merci, Madame la députée. Je ne voudrais pas que les suivants prennent exemple sur les deux oratrices précédentes pour dépasser. Voilà. Oh, si, c'était pareil. Je note à côté, donc c'est pour ça. Donc, voilà, c'est... Non, mais... J'ai une comptabilité, donc rassurez-vous, et je suis très attentive à l'équilibre entre les différents groupes sur le volume de l'année. Donc, pour les écologistes, Francesca Pascuni. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, l'école a chaud et ce n'est pas qu'une question de température qui monte. Vous le savez, malgré tous les efforts qui seront faits, nous ne sommes pas prêts à faire face à la déferlante que le réchauffement climatique cause et va causer à l'école. Voici la liste non exhaustive des effets des canicules. Examens reportés, heures d'enseignement qui ne peuvent pas avoir lieu, difficultés ou impossibilité d'accéder à des points d'eau, élèves et personnel épuisés, cours d'éducation physique et sportive annulés, gymnase trop chaud. La situation est encore plus alarmante dans les territoires d'outre-mer, où nous risquons de voir les élèves privés d'école sur plusieurs semaines ou mois, car les mauvaises conditions du bâti et le dérèglement climatique se font sentir plus rapidement et de manière exacerbée. Le budget insuffisant permettant la rénovation de quelques écoles, ainsi que le manque de concertation et de portes d'entrée uniques pour les rénovations, ne peuvent à date répondre aux besoins auxquels nous devons déjà faire face. Et la proposition faite par le président de réduire les vacances d'été apparaît dans ce contexte saugrenu et irrationnel. Rénover le bâti, oui, mais seulement si cela s'accompagne de mesures visant, à titre d'exemple, à repenser nos rythmes scolaires pour réduire les vacances intermédiaires et anticiper celles d'été, rénover les cours d'école pour qu'elles puissent être utilisées pour des apprentissages extérieurs et légitimer l'école dehors. C'est plus concret qu'identifier une salle fraîche au sein des écoles et par ailleurs, dans certaines, il n'y en a pas. J'aimerais qu'on arrête de proposer des mesurettes car l'école a chaud. Les élèves transpirent alors qu'ils ont soif d'apprendre. Le personnel éducatif est à bout de souffle. Les directions ont des sueurs froides. La médecine scolaire est à sec. Monsieur le ministre, il ne suffira pas de distribuer des bouteilles en plastique pendant les périodes d'examen pour adapter l'école aux fortes chaleurs. On attend de vous des prises de position fortes, audibles et conséquentes. Monsieur le ministre, j'ai quitté l'école il y a un an. Et déjà à l'époque, c'était chaud. Mais maintenant, passez-moi l'expression « ça craint ». Merci. Pour GDR, Soumia Brouard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur l'organisation du temps scolaire et le calendrier des examens qui pose question. Pour la première fois, le nouveau baccalauréat général issu de la réforme de 2018 a pu se tenir sans connaître les importantes perturbations liées aux conséquences de l'épidémie du Covid-19. L'heure est donc au bilan particulièrement négatif et inquiétant qui nécessite une réaction à la hauteur des enjeux. La nouvelle organisation chaotique qui résulte du bac Blanquer ne profite ni aux lycéens ni aux enseignants pour qui le calendrier de l'année scolaire est désormais intenable. Les 6 premiers mois s'apparentent à une course contre la montre pour les élèves qui, comme les enseignants, qui doivent être prêts en mars pour les épreuves de spécialité dans le seul but d'inclure les résultats dans les algorithmes de Parcoursup. À cette pression s'ensuit un troisième trimestre vide de sens. Dès avril, les dossiers Parcoursup sont bouclés
et les candidats connaissent déjà 80% de leurs notes. Les conséquences étaient prévisibles et les enseignants font part d'une importante hausse de l'absentéisme. Les deux seules épreuves organisées en juin, à savoir celle de philo et le grand oral, ont perdu de leur importance aux yeux des élèves qui se démobilisent. Le troisième trimestre est ainsi sacrifié au profit des logiques de sélection. Le calendrier du baccalauréat Blanquer est dicté par celui de Parcoursup. Face à cette aberration pédagogique, les principaux syndicats enseignants, comme les personnels de direction, demandent le report des épreuves de spécialité au mois de juin. Cette nouvelle formule réussit l'exploit de faire l'unanimité contre elle-même. La réforme plonge dans le désarroi la communauté éducative qui ne pourra se satisfaire d'ajustements à la marge. Au-delà du bilan, et plutôt que de reconnaître à demi-mot qu'il y a eu des échecs, que proposez-vous, monsieur le ministre, afin de remédier à ce non-sens pédagogique? Comment le gouvernement envisage-t-il d'organiser un baccalauréat général qui permette aux lycéens de travailler tout au long de l'année sans subir la pression inutile provoquée par les échéances précipitées? Je vous remercie. Je suis dans les temps. Dans les temps, parfait. Pour le groupe Lyot, Béatrice Descamps. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le premier sujet que je souhaite aborder moi aussi concerne le baccalauréat et l'organisation des enseignements au lycée. Ça a été dit, c'était la première fois que le bac se déroulait selon le calendrier mis en œuvre par la réforme du précédent quinquennat. Comme attendu, les lycéens ont souvent été démobilisés du fait des épreuves de spécialité en mars et des résultats de Parcoursup à partir de début juin. Vous avez estimé que l'organisation actuelle nécessitait, je cite, une retouche. Vous l'avez redit dans vos propos liminaires, mais pourriez-vous nous donner quelques précisions aujourd'hui, monsieur le ministre, vers quelle évolution vous tendez-vous et comment comptez-vous les mettre en place sans créer encore une fois un fort niveau d'anxiété pour les professeurs et les élèves. J'en viens à ma seconde question qui concerne le métier d'enseignant. Nous ne dirons jamais assez à quel point le manque d'attractivité mine le recrutement. Le recours aux enseignants contractuels dans les conditions actuelles n'est satisfaisant ni pour les élèves ni pour les enseignants qui se retrouvent parfois livrés à eux-mêmes sans formation ni accompagnement. Contrairement à ce qui a pu être dit ces derniers jours, ce n'est pas tant le niveau master requis et le concours qui sont un frein, mais le fait que cette forte exigence soit associée à une faible rémunération et une intensification du travail. Comment comptez-vous inverser cette tendance? Je rappelle que dans la promesse de revalorisation de 10% en moyenne figure les pactes enseignants qui conditionnent une partie de la revalorisation à la réalisation de missions supplémentaires. C'est forcément décevant lorsque l'on sait du faible niveau d'où nous partons. Troisième point, important vraiment à mes yeux, pourriez-vous, monsieur le ministre, nous donner des précisions sur l'accueil 8h-18h annoncé par le président de la République? Simplement, qui accueille, pour quelles activités? Je vous remercie. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour cette première série de questions ou d'affirmations. Et je précise et je préviens tout de suite mes collègues que nous avons plus de 25 inscrits pour la suite. Et ça vous donne aussi une indication, monsieur le ministre, que vous pourrez revenir sur certains sujets si jamais vous aviez encore... j'en appelle à la concision. Oui, c'est bien comme cela que j'avais entendu, madame la présidente. Je vous remercie, mesdames et messieurs les députés, de cette première salve de questions. Un certain nombre d'entre elles se recoupent et donc je vais regrouper moi aussi mes réponses pour être aussi synthétique que possible. Peut-être en commençant par la question des concours et des professeurs, puisque nous avons aujourd'hui donc des données à la fois pour le premier degré et pour le second degré, avec un mieux, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans les inscriptions, mais aussi dans les présents, plus 28%, dans les admissibles, plus 17%, et dans les admis, on est aux alentours de plus 8%. C'est du côté des professeurs des écoles, on a 4 académies, toujours les mêmes au fond, qui ne pourvoient pas l'ensemble des postes ouverts au concours de professeurs des écoles. Ce sont les académies de Créteil, Versailles, Guyane et Mayotte.
Pour Créteil, on a quand même plus 13,1% de postes pourvus par rapport à l'année dernière. Pour Versailles, plus 25% de postes pourvus. En Guyane, moins 15% de postes pourvus. Et à Mayotte, moins 21% de postes pourvus. Donc on a une situation qui se dégrade du côté de la Guyane et de Mayotte, qui s'améliore du côté de Créteil et de Versailles, mais qui reste néanmoins critique. La situation s'améliore, mais la part de postes non pourvus demeure évidemment importante. C'est pour cela que nous avons d'une part organisé, comme vous le savez, un concours interne exceptionnel qui a permis de fidéliser des professeurs contractuels et qui a donné d'ailleurs de bons résultats dans les trois académies où il était organisé, Créteil, Versailles, Guyane. Nous avons également ouvert un troisième concours qui est une voie d'avenir pour l'ensemble des académies avec une hausse des inscriptions aussi en ce qui concerne ce troisième concours. Et puis enfin, on a le recours, nous allons avoir recours, mais dans des proportions moindres que l'année dernière, à des professeurs contractuels. La situation générale dans ces académies pour les professeurs des écoles, pour le premier degré, s'annonce donc meilleure que l'année dernière. Nous poursuivons le recrutement de professeurs contractuels, mais nous sommes dans une situation qui est moins tendue que celle de l'année dernière, même si elle reste tendue dans les académies que j'ai mentionnées. Dans le second degré, bien sûr, il ne s'agit pas de difficultés à l'échelle académique, mais à l'échelle des disciplines, puisqu'on retrouve à la fois une donnée positive, c'est une petite hausse des inscriptions des admissibles et des admis, mais des disciplines qui restent des disciplines en difficulté. Je pense en particulier aux lettres classiques, à l'allemand, aux mathématiques dans une moindre mesure, aux lettres modernes, disciplines qui, elles aussi, nécessiteront d'avoir recours à des enseignants contractuels. Nous étions sur une moyenne de 6,5 à 8% l'année dernière pour le second degré et de 1,5% dans le premier degré pour les enseignants contractuels que nous fidélisons, que nous CDIsons aussi en partie et que nous payons sur 12 mois désormais. Cette question, elle pose en filigrane celle que plusieurs d'entre vous ont soulignée. C'est celle de l'attractivité du métier à laquelle nous répondons, Madame la députée Descamps, à la fois par une hausse socle pour tous les enseignants, et notamment pour les enseignants dans les premières années de carrière, on parle de hausses qui sont toutes proches de 10%, on est aux alentours de 9,7% en moyenne pour les 7 premiers échelons. Ça, c'est inconditionnel, c'est pour tout le monde à partir du 1er septembre, et puis des hausses liées à de nouvelles missions pour celles et ceux qui le souhaitent. Et donc, en plus de la hausse dont je viens de parler, les nouvelles missions permettront des hausses des rémunérations qui peuvent donc, en totalisant le socle et le pacte, dépasser 25%. On est par exemple aux alentours de 25% de hausse de rémunération pour un professeur qui s'engagerait dans des missions, dans un pacte constitué de trois missions valorisées chacune à hauteur de 1 250 euros. Mais nous avons aussi insisté sur le fait que la revalorisation du métier d'enseignant ne passe pas seulement par des hausses de salaire, par ailleurs parfaitement nécessaires, je mentionne aussi le 1,5% pour tous les fonctionnaires, elle passe aussi par des évolutions de carrière, elle passe aussi par la question des mutations, elle passe aussi par la revalorisation symbolique et morale du métier d'enseignant à laquelle je suis personnellement très attaché. Et donc on a du mieux, mais ça n'est pas suffisant pour nous permettre de dire que la crise de recrutement est derrière nous. On a une crise qui est à l'évidence une crise structurelle, d'où la proposition que j'ai faite d'un recrutement à bac plus 3. Nous avons fait des projections à la fois d'un point de vue administratif et financier pour imaginer ce qu'un recrutement à bac plus 3 pourrait donner.
recrutement donc au niveau licence avec 2 ans de formation rémunérée comme élève professeur. On peut penser en cela aux anciennes écoles normales, si vous voulez, d'instituteurs, ce qui a une vertu sociale. On recrute dans des couches différentes à Bac plus 3 qu'à Bac plus 5. Ça permet aussi de recruter localement et d'avoir ce qu'on pourrait appeler des hussards noirs de la République, si vous voulez, du 21e siècle. Et puis, on garde l'enveloppe du master, puisque les 2 années d'élèves professorat se concluent par l'obtention d'un master. Donc, on ne remet pas en cause la masterisation, mais on dissocie l'obtention du master du concours. Concours à Bac plus 3, master à Bac plus 5, ce qui permet au passage de résoudre une difficulté que tous les étudiants notent pour l'année de M2, à la fois la préparation du concours, l'écriture d'un mémoire de master, et puis pour les étudiants en MEF, les stages à réaliser. C'est une année littéralement impossible pour nos étudiants du master MEF. Et donc c'est vers cela que nous travaillons, avec une perspective qui est celle de 2025, le temps de mettre en place les programmes de concours et puis d'avoir un tuilage entre les étudiants qui préparent déjà le concours de Bac plus 5 et puis ceux qui prépareront le Bac plus 3. On aura 2 années de tuilage, si vous voulez, mais cette perspective, nous la considérons et nous la préparons si nous avons le feu vert. Il y a des engagements évidemment financiers importants de ce point de vue-là. Je voudrais maintenant parler d'un sujet que vous avez également abordé, c'est celui de la mixité. Et en effet, Madame la députée Kelohashi, vous avez mentionné la publication des IPS et nous l'avons publié en data, en open data, comme on dit, c'est disponible sur le site du ministère de l'Éducation nationale de façon complètement ouverte. C'est un point d'appui important, mais j'ai déjà aussi modulé la question des IPS en remarquant que l'écart-type était très important et que 2 établissements avec le même IPS pouvaient avoir des situations sociales extrêmement contrastées parce que le delta, l'écart, peut être très large d'un côté ou alors très, très réduit. On a donc des profils d'établissements qui sont très variables ou variés, alors même que l'IPS pourrait laisser penser qu'ils sont à égalité, en quelque sorte. 2 établissements moyens à 105 peuvent recouvrir des réalités extrêmement variées. Nous avons également, j'ai eu l'occasion de publier un plan qui va se mettre en place à partir de la rentrée. De quelle manière ? Eh bien, cette question, elle ne peut être envisagée sans les collectivités. Bien entendu, ce sont les collectivités qui sont responsables de la sectorisation. Et donc, le travail du ministère de l'Éducation nationale, c'est un travail qui ne peut se faire qu'en partenariat avec les collectivités, en particulier, puisque ce point est le plus sensible, les conseils départementaux qui s'occupent des collèges. C'est au niveau de la scolarisation, des collèges que les questions les plus aiguës se posent. Et donc, cela va dépendre aussi de la bonne volonté, de l'engagement des conseils départementaux. Et fort heureusement, il en est un certain nombre qui sont disposés à travailler avec nous. Donc, on va avoir une carte un peu en peau de léopard, si je puis dire. Ce n'est pas nous qui, depuis la rue de Grenelle, pouvons accompagner une politique nationale. Nous accompagnons et aidons, bien entendu, les collectivités qui s'engagent dans cette démarche, particulièrement, comme je l'indiquais, les conseils départementaux. Et nous mettons à disposition des rectorats qui discutent et qui négocient d'ores et déjà avec les conseils départementaux un ensemble d'outils en leur disant, eh bien, choisissez les outils qui vous semblent les plus appropriés. Les réalités des territoires sont très variées et on ne peut pas agir dans un département comme le Val-de-Marne de la même manière que dans un département comme la Loire-Atlantique, par exemple. Il faut donc admettre la variété des possibilités. Et j'ai eu l'occasion devant vous de déployer ces outils. Cela concerne aussi l'enseignement privé sous contrat. Et j'ai aussi mentionné l'accord que nous avons signé avec le secrétariat général à l'enseignement catholique, avec lequel nous entretenons des relations de travail tout à fait fructueuses. En s'engageant dans une démarche qui est une démarche
contractuelle, une démarche volontaire que nous appuyons, bien entendu, puisque dans la dotation en poste, l'enseignement privé sous contrat bénéficie évidemment de postes de l'éducation nationale. Il ne s'agit pas de dotation de fonctionnement, comme je crois que c'était votre question, Madame la députée Kelouachi, pardon, vous êtes là, mais par le biais des postes. Un établissement privé sous contrat qui fera un effort particulier en ouvrant, par exemple, une classe ULIS ou une classe SECPA pourra avoir sa dotation améliorée par rapport à un établissement qui ne fait pas cet effort. D'ores et déjà, et c'est vrai depuis longtemps, les demandes des établissements privés sous contrat sont supérieures aux postes dont nous disposons. Donc nous devons procéder à des répartitions. Mais dans cet effort de répartition, nous pouvons inclure des critères qui sont des critères de mixité sociale et scolaire. J'en viens maintenant, si vous me le permettez, à l'éducation prioritaire, en remarquant que nous sommes au travail avec le ministère de la Ville, notamment Ville et Logement, sur une refonte de la carte de l'éducation prioritaire. Et j'ai eu l'occasion, par des échanges et des apartés que j'ai pu avoir avec vous ou lors de déplacements, de voir que cette carte a vieilli avec des établissements qui devraient entrer en éducation prioritaire et qui ne le sont pas. On est beaucoup plus discret en général. Vous êtes plus discret, si je puis me permettre cette remarque, sur les établissements scolaires qui ne devraient plus être en éducation prioritaire. Là, j'en entends moins parler par une coïncidence, certainement, mais... oui, en Seine-Saint-Denis, c'est plus... Il y a des petites marges qui peuvent se discuter, mais c'est vrai que c'est moins vrai en Seine-Saint-Denis. Et donc, nous travaillons. C'est une question extrêmement complexe qui nécessite de prendre en compte un très grand nombre de données et aussi le fait que cette carte est difficile à bouger. Reconnaissons-le, parce que les avantages, si j'ose dire, en tout cas, les éléments qui accompagnent l'éducation prioritaire, avec le dédoublement des GS CP CE1, avec les primes aussi proposées aux enseignants, avec les temps de concertation proposés aux enseignants, sont des éléments attractifs qui font que sortir d'éducation prioritaire, alors même que l'établissement aurait toutes les raisons de sortir d'éducation prioritaire suite à des évolutions sociologiques que l'on peut observer dans un certain nombre de grandes villes, ça c'est très compliqué parce que, et c'est bien compréhensible, les familles, les enseignants sont attachés à ce qui a amélioré les choses pour eux-mêmes et pour leur établissement dans le cadre de l'éducation prioritaire. Donc sortir d'éducation prioritaire, c'est compliqué. Entrer en éducation prioritaire, c'est beaucoup plus simple. Je le conçois. Le deuxième élément que je voudrais vous donner sans dévoiler, puisque nous sommes en plein travail et nous avons encore des mois de travail en la matière, c'est que globalement, sur les quelques 360 établissements REP+, on a une assez grande stabilité des établissements REP+. Les établissements les plus défavorisés, ceux d'aujourd'hui, étaient déjà défavorisés lors de la dernière révision qui date de 2015, mais qui était fondée sur des données de 2011. Il y a une assez grande stabilité des établissements REP+. En revanche, du côté des établissements REP, là, il y a pas mal de mouvements. Il y a des établissements REP qui devraient sortir et beaucoup d'établissements qui devraient entrer en REP. Et c'est là que les difficultés vont être les plus grandes, bien entendu, beaucoup plus que du côté REP+. Mais là encore, nous sommes au travail et j'aurai certainement l'occasion de vous rendre compte de ce travail. J'attends aussi le rapport qui me sera présenté peut-être la semaine prochaine, Madame la députée Carrel et Monsieur le député Chudeau, à propos d'éducation prioritaire. Rapport que je regarderai avec toute l'attention possible. À propos des mesures annoncées par le président de la République, vous êtes nombreux à m'avoir interrogé sur le 8-18. Ce 8-18 va être expérimenté dans quelques dizaines, une trentaine de cités éducatives à la rentrée. Je m'empresse de dire que ce 8-18 pour les collèges n'a rien d'obligatoire. Il ne s'agit pas de rendre obligatoire la présence au collège entre 8h et 18h, mais d'offrir la possibilité aux familles et aux élèves qui le souhaitent de pouvoir venir au collège et de rester au collège jusqu'à de 8h à 18h. C'est donc une extension des horaires
d'ouverture et d'accueil des élèves, ça n'est pas une obligation de présence de 8h à 18h. C'est tout à fait clair avec cette association entre scolaire et périscolaire. D'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe dans les cités éducatives particulièrement, il y a déjà, de fait, des horaires qui sont des horaires étendus dans un certain nombre d'écoles et d'établissements. Donc nous allons expérimenter à une échelle, je dirais, moyenne à partir de la rentrée. Les toutes petites sections, je crois que vous aussi, monsieur le député Portier, et puis c'était le cas également de madame la députée, peut-être Kéloa Hachi, je ne sais plus, les toutes petites sections vont être, nous savons, alors là on a vraiment des données très intéressantes sur les toutes petites sections, elles sont extrêmement efficaces. Elles sont extrêmement efficaces. Là, j'ai échangé longuement avec des enseignantes à Beson là-dessus il y a peu, et elles m'ont expliqué la différence entre des enfants scolarisés à 3 ans et des enfants scolarisés à 2 ans. On voit la différence dans l'accès au langage, dans la socialisation des enfants, je dirais aussi dans la socialisation des familles. Bref, c'est un ensemble extrêmement positif. C'est pour cela que nous allons avancer dans la création de ces toutes petites sections en éducation prioritaire pour de manière à, sur l'espace du quinquennat, pouvoir, sinon généraliser, en tout cas offrir un volant de toutes petites sections qui soit favorable, en accord aussi avec les collectivités. Tout cela doit se faire en bonne intelligence avec le secteur de la petite enfance. Bien entendu, il ne s'agit pas de déshabiller l'un pour habiller l'autre. Il s'agit de travailler ensemble à partir d'un objectif qui est favorable aux élèves. Je voudrais dire un mot sur devoir fait aussi, toujours dans cette catégorie là de service aux élèves. Devoir fait est généralisé pour les classes de 6e, disais-je, à partir de la rentrée. Devoir fait existe de manière optionnelle en 5e, ça baisse d'ailleurs le pourcentage d'élèves qui s'y intéressent et de familles en 4e, et ça remonte un peu en 3e avec la perspective du brevet. Mais nous généralisons en 6e devoir fait. Mais j'attire votre attention sur le fait que devoir fait, ça n'est pas fait que pour les familles défavorisées avec des environnements familiaux complexes. Dans des familles avec des environnements matériels, je dirais, et des soutiens scolaires à la maison, lorsque l'on rentre à la maison, les enfants rentrent en fin d'après-midi, qu'ils doivent faire leurs devoirs. Enfin, les parents d'élèves ici le savent, que c'est pas, il faut surveiller, c'est source de tension aussi entre les enfants et les parents sur le travail fait ou pas fait. Bref, y a des enjeux qui sont ceux aussi des réseaux sociaux et des tentations à la maison. Bref, devoir fait, c'est bon pour tout le monde. Ce n'est pas bon que pour des strates spécifiques de la population, et nous savons que que devoir fait, c'est bien reçu. Le taux actuellement est d'environ 40%, on est entre 40 et 44% d'élèves de 6e qui sont dans devoir fait. On va passer à 100% à partir de la rentrée, et c'est bon pour les élèves, tous les élèves, et bon pour leur famille. À propos, un mot sur les dégradations connues, que nous avons connues. Il n'y a pas eu 243 destructions d'écoles et d'établissements, fort heureusement. 243 dommages, dont 63 plus importants, et parmi ces 63, 12 plus importants. Dans les 243, il y a des choses comme des bris de vitres et des choses qui sont d'ailleurs facilement réparables. Dans les 12, on a des débuts de feu, des débuts d'incendie et des incendies. 3 écoles ont été détruites par un incendie. Et je salue au passage, évidemment, l'action des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers, mais aussi des professeurs, des familles qui se sont mobilisées pour, disons, sauvegarder leurs écoles et leurs établissements lorsqu'il y avait un départ de feu. Il y a eu là aussi une mobilisation tout à fait impressionnante. Donc nous avons du travail cet été pour réparer les établissements, et puis pour les 3 écoles qui ont été entièrement détruites,
eh bien, nous devons proposer, et c'est le cas, il y a encore des réunions avec des parents, nous devons proposer d'autres solutions avec, par exemple, à la Verrière, un relogement, si je puis dire, une scolarisation dans des établissements voisins, malheureusement à 20 minutes à pied des établissements qui ont été détruits. Donc, il faut aussi prévoir un système de navettes. Les professeurs, il n'y aura pas de classe surchargée puisque les professeurs des écoles détruites vont être eux aussi relocalisés. Donc, nous sommes en train d'organiser tout cela pour la rentrée et puis de procéder avec les collectivités d'abord, je devrais dire, aux réparations nécessaires pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles. Sur le baccalauréat, vous avez souligné, et je l'ai dit moi-même, la difficulté du troisième trimestre. Et donc, il y a plusieurs hypothèses sur la table, dont l'hypothèse que vous avez mentionnée, je crois que c'était Madame la députée Bourrois, à propos du déplacement des épreuves de spécialité vers le mois de juin. Mais nous envisageons plusieurs hypothèses à l'heure actuelle. Ce qui est clair, c'est que le statu quo n'est pas possible compte tenu des éléments que j'ai dit et que vous avez par ailleurs soulignés. Cela ne remet pas en cause Parcoursup en tant qu'outil, mais c'est la question de l'intégration des notes de spécialité dans Parcoursup qui pose difficulté. Et c'est pour cela d'ailleurs que les épreuves de spécialité avaient lieu au mois de mars. C'était pour qu'elles puissent être prises en compte dans Parcoursup. Il y a évidemment la question ou la solution du contrôle continu, mais le contrôle continu soulève un certain nombre de difficultés, c'est-à-dire la difficulté pour les établissements d'enseignement supérieur d'évaluer les établissements les uns par rapport aux autres. Un 13 dans le lycée X, est-ce que ça vaut un 13 dans le lycée Y? C'est le problème du lycée du contrôle continu qui peut se corriger par de l'accumulation d'informations sur les lycées, mais c'est quand même une équation complexe à prendre en considération, et je me suis entretenu déjà avec le comité de suivi du lycée, avec messieurs Mathieu et Ringard, et puis aussi avec bientôt avec le recteur William Marois. Un mot peut-être, j'abuse de votre patience, mais cette question est importante et elle a été soulevée par madame la députée Pasquini à propos du réchauffement climatique. Figurez-vous, madame la députée, que nous agissons. Et nous ne sommes pas les bras ballants à ce sujet. D'une part, parce que, comme vous le savez, le plan vert qui a été annoncé par la Première ministre et qui est abondé à hauteur de 2 milliards d'euros, qui sera poursuivi dans les années à venir, ce plan vert, et j'ai eu l'occasion de le voir, est bien connu des élus municipaux qui y ont largement recours. Partout où je me déplace, on me parle d'un financement par le fonds vert, et c'est évidemment une très bonne chose. Et j'ai remis moi-même avec le ministre Christophe Béchu au ministère de la Transition écologique un certain nombre de chèques, si je puis dire, à des maires qui, pour partie, envisageaient et envisagent de rénover leur école. Il y a le plan EducRénov qui s'y ajoute. Je pourrais vous détailler ce dont il s'agit. Et puis, nous, de notre côté, nous appuyons avec une cellule bâti scolaire qui a été renforcée cette année sur les questions thermiques, mais aussi sur les questions de débitumisation des cours, de végétalisation des cours. C'est un point extrêmement important. On gagne des degrés lorsqu'on enlève les couches de bitume dans les cours de récréation. Puis c'est bon aussi pour l'équilibre filles-garçons. C'est bon à tous égards que la végétalisation. Donc il y a énormément de choses qui sont en jeu, et nous tenons compte bien sûr des difficultés de financement des communes avec cela. Et parallèlement à cela, nous avons annoncé un renforcement du réseau des éco-délégués, de la certification E3D des établissements. Pour l'instant, on est à quelque chose comme 10 à 15% des écoles et établissements qui sont E3D. Il faut progresser en la matière. On en a 10 000 à peu près de mémoire. Nous devons progresser, nous devons impliquer les élèves. Et puis, nous devons faire de telle sorte que l'enseignement au développement durable, lui aussi, soit valorisé.
un mot, alors là, vraiment, sur la réduction des vacances, puisque c'est un sujet aussi qui intéresse. Monsieur le député Molac, je vous vois approuver. C'est donc un fait qui porte au fond moins sur les grandes vacances. Les grandes vacances sont concernées, mais ce sont aussi les petites vacances. Et j'insiste régulièrement sur ce point. Nous avons 36 semaines de cours, 16 semaines de vacances, 8 pendant l'été et puis 8 autres pendant le reste de l'année. Ça signifie que, par contraste avec les pays européens, les autres pays européens, nous avons des cours qui sont très concentrés sur un faible nombre de semaines, et donc des journées lourdes et des semaines lourdes. Cela, tout le monde peut s'accorder sur ce point. Avancer sur cette question, c'est très difficile. D'autres s'y sont cassés les dents, si je puis dire, tant les enjeux sont importants. C'est des enjeux, en fait, qui concernent l'ensemble de la société, parce que, au fond, c'est l'ensemble de la société qui est organisée en fonction des vacances scolaires. Il y a des secteurs économiques importants, comme l'industrie du tourisme, par exemple. Et puis, au sein de l'éducation nationale, il y a des enjeux qui sont des enjeux d'horaires pour les enseignants, liés à leur statut. Donc, c'est un ensemble extrêmement compliqué qu'il faut pouvoir lancer et en même temps sur lequel il faut pouvoir échanger tranquillement, sans hâter les choses, de manière à pouvoir arriver à des solutions aussi consensuelles que possible. C'est un chantier de long terme, mais il me semble positif pour nos élèves que de pouvoir poser cette question et de pouvoir avancer là-dessus. Si vous êtes intéressé par les questions de vacances apprenantes, je pourrais vous expliquer comment nous compensons en quelque sorte cette longueur des vacances, mais je voulais d'ores et déjà mentionner ce point. Voilà, mesdames, madame la présidente, ce que je voulais dire. Et si j'ai oublié des choses, je suis sûr que j'ai oublié des choses, j'y reviendrai par le biais des questions ou de la prochaine salve de questions. Tout à fait. Sachant qu'il y a 28 députés inscrits, vous aurez le temps d'y revenir. Donc d'ailleurs, nous allons procéder en deux temps. Donc une première série de questions et une deuxième série de questions. Donc on en prendra d'abord 14 et puis ensuite 14, puisque 14 plus 14, ça fait 28. Et donc ce sera pile la moitié. Donc, sauf s'il y en a qui s'inscrivent entre-temps. Et je précise que sont prioritaires les membres de la commission et que poseront en dernier les non-membres de la commission. Vous pouvez tout à fait poser des questions, mais vous serez tout à la fin de la liste. Donc, nous allons commencer par Graziella Melchior. C'est bon. Vas-y. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, co-rapporteur d'une mission d'information relative à l'adaptation de l'école aux enjeux climatiques, je souhaite vous interroger aujourd'hui sur l'enseignement au développement durable. Vous avez d'ores et déjà annoncé il y a quelques jours 20 mesures pour la transition écologique. J'ai notamment relevé votre décision d'intégrer les enjeux de la transition écologique aux cours de technologie et à l'enseignement moral et civique. Pouvez-vous nous dire si vous envisagez de l'étendre à d'autres disciplines comme la géographie, par exemple, et pourquoi pas en faire un enseignement spécifique? Pour exemple, l'Italie, depuis 2019, a intégré l'écologie comme matière obligatoire à raison d'une heure par semaine, de la maternelle à la terminale. En outre, je me satisfais de voir qu'une évaluation portant sur l'acquisition des compétences relatives à la transition écologique sera mise en place pour les classes de 4e ou 3e. Pouvez-vous nous dire de quelle manière cette évaluation sera prise en compte dans le parcours des élèves et pour quelles raisons vous n'avez pas retenu l'idée d'une autre évaluation durant le lycée, voire d'une nouvelle matière optionnelle? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Bénédicte Ozano. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dans le Figaro du 7 juillet, un membre du gouvernement déclare « L'éducation nationale est un naufrage, il faut tout désétatiser ». Monsieur le Ministre, qu'est-ce que votre collègue entend par là? Moins d'État, est-ce donc moins de financement public et donc une augmentation des frais de scolarité? L'article indique que le statut de fonctionnaire pour les enseignants pourrait être remis en cause, qu'il faudrait permettre donc aux enseignants de n'exercer leurs fonctions que pour une durée limitée, en leur garantissant des formations pour changer de carrière s'ils le souhaitent. Pensez-vous qu'il faut envisager sérieusement ces questions? Ceci ne serait-il pas
inciter à la précarisation et à l'ubérisation du métier. Enfin, permettez-moi d'affirmer que ce recul de l'État serait la porte ouverte à la communautarisation, signifiant le recul de la France, de ses valeurs et de sa souveraineté. Bref, l'exact contraire de ce pourquoi au Rassemblement national nous luttons. Je vous remercie. Merci Madame la députée. J'encourage et j'enjoins mes collègues à faire un tout petit peu moins de bruit ou alors si vous voulez avoir des conversations privées, le couloir vous attend. Béatrice Piron. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci pour votre présence ce soir. Dans le contexte actuel, quelques jours après les émeutes importantes, je souhaite avant tout saluer la réactivité du gouvernement ainsi que la mobilisation générale de nos forces de l'ordre pour contenir les récentes émeutes urbaines. Les dégâts matériels causés par ces événements sont considérables et concernent particulièrement nos bâtiments publics, dont certaines écoles qui ont été violemment vandalisées ces dernières semaines. Dans les Yvelines, mon département, au sein de la commune de La Verrière, ce sont deux des trois écoles municipales qui ont été incendiées, affectant directement plus de 200 élèves et leurs familles. Pour cette commune composée à 72% de logements sociaux, le coût élevé des réparations est estimé à près de 20 millions d'euros, sans compter les solutions transitoires pendant la durée de rénovation de ces bâtiments. Monsieur le ministre, quelles sont les solutions que vous préconisez afin de trouver des solutions donc à la fois à court terme et à long terme qui tendent à améliorer la mixité dans ces écoles afin d'assurer la rescolarisation dès la rentrée prochaine de ces élèves? Merci. Merci Madame la députée. Rodrigo Arenas. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Vous venez d'envoyer une nouvelle circulaire demandant aux écoles et aux établissements de produire des listes de fournitures raisonnables pour la rentrée scolaire. Mais je m'interroge car il suffirait de leur demander d'appliquer tout simplement les circulaires qui donnent des listes de fournitures scolaires individuelles. C'est à vous qu'il revient de les obliger et ne pas déroger à vos propres listes. Car oui, aujourd'hui, les familles n'en peuvent plus de contribuer à ce qui devrait être gratuit, de payer pour que leurs enfants aient accès à une instruction de qualité, à savoir les voyages et les sorties, les transports, la cantine, les fournitures. Vous n'êtes pas sans savoir que les familles ont déjà dû couper drastiquement dans leurs dépenses alimentaires et que dans le même temps, les collectivités territoriales s'appauvrissent. C'est à l'État d'assumer pleinement son rôle et de débloquer les budgets suffisants pour que la scolarité de nos enfants soit véritablement et totalement gratuite. Ce qui permettra non seulement de mieux garantir la réussite de toutes et tous, mais aussi d'assurer une meilleure mixité sociale dans nos écoles. Alors je vous le demande, Monsieur le Ministre, avez-vous prévu de travailler sur la gratuité de l'éducation en commençant par mettre en œuvre la proposition de votre collègue Olivier Klein, à savoir la gratuité des fournitures à minima dans les quartiers populaires? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Francis Dubois. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre. Pénurie d'enseignants, niveau en baisse des élèves, atteinte à la laïcité, harcèlement scolaire, l'école de la République va mal. La rentrée 2023 s'annonce très difficile. Il est annoncé plus de 3100 postes non pourvus, malgré les fermetures de classes. À cela s'ajoutent les non-remplacements en cas d'absence de professeurs. Dans l'académie de Limoges, dont dépend ma circonscription corrézienne, les maires et les corps intermédiaires m'ont fait part de leur inquiétude sur les fermetures de classes, les postes non pourvus et les absences d'enseignants non remplacés. Cette situation inacceptable a des répercussions néfastes sur la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves. Leur niveau scolaire en pâtit et les lacunes s'accumulent tout au long de leur parcours scolaire. Les courriers d'alerte au rectorat n'obtiennent aucune réponse. Pourtant, nous aimerions avoir connaissance des bilans sociaux de l'Académie et des informations relatives au non-remplacement des enseignants. Sur leurs motifs, leur répartition géographique et temporelle, ces éléments permettraient d'avoir une vision claire de la situation et d'envisager la mise en œuvre de solutions durables. Monsieur le ministre, quelles sont vos propositions pour remédier durablement à ces problèmes? Sommes-nous les éternels oubliés en milieu rural? Merci, monsieur le député. Fabrice Levigoureux. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, une demande de précision et une suggestion. La demande de précision sur le calendrier de l'éducation prioritaire. Est-ce que certains collèges, à la rentrée 2024, sont susceptibles d'entrer en REP ou REP+? Je pense bien sûr à mon collège Dunois à Caen, qui a toutes les caractéristiques sociologiques, dont l'IPS, et j'attends ça depuis des années, donc je voulais avoir des précisions de calendrier. Deuxième, une suggestion pour conjuguer deux exigences très délicates sur le calendrier du bac.
à la fois faire entrer des notes objectivées, anonymisées dans Parcoursup, les notes de spécialité, et en même temps faire que les élèves ne lèvent pas le pied sur le troisième trimestre. Est-ce qu'on ne peut pas envisager d'avoir deux tiers du programme avec des évaluations nationales par spécialité, qui donnent lieu à Parcoursup, et puis ensuite, sur le troisième trimestre, un tiers sur le contrôle continu, sur le programme restant, avec un ajustement des coefficients. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Julien Odoul. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, vous évoquez régulièrement des beaux et grands principes républicains que vous bafouez par ailleurs. Dimanche 9 juillet, sur Radio J, vous avez gravement et lamentablement attaqué les journalistes de deux médias français, CNews et Europe 1, en les qualifiant d'extrême droite. Avec cette affirmation tout aussi mensongère qu'infamante, vous avez stigmatisé également les auditeurs et téléspectateurs de ces chaînes. Votre sortie illustre votre sectarisme, votre mépris du pluralisme médiatique et de la liberté de la presse, ces valeurs qui sont, encore une fois, charnellement vissé à notre pacte républicain. Je vous rappelle que vous êtes ministre de l'Éducation nationale de la République française. Collègue, n'êtes pas le commissaire du peuple de la pensée unique. Très clairement, monsieur le ministre, la question est très claire. Est-ce que vous pouvez rester à votre poste? Est-ce que vous comptez présenter des excuses aux médias CNews et Europe 1? Ou est-ce que vous comptez démissionner? Mes chers collègues, je sais que certains propos de part et d'autre de cette Assemblée peuvent et sont là pour énerver l'un ou l'autre, mais ce n'est pas forcément non plus nécessaire de faire un brouhaha parce que finalement, on n'entend pas et je pense que c'est un peu plus compliqué ensuite pour les réponses. Voilà, les députés ont la parole libre, je le rappelle ici. Je sais, alors vous allez me répondre que le brouhaha aussi est libre, à part que le brouhaha, c'est pas respectueux ni d'un côté ni de l'autre. Je fais en sorte de faire respecter la sérénité dans cette commission afin qu'en effet, le contrôle que nous devons exercer sur l'exécutif puisse être fait dans les meilleures conditions. C'est le but d'une... Je sais que voilà, il y en a un qui est en train de s'amuser, mais le but d'une commission, notamment parlementaire, c'est aussi d'exercer le contrôle sur l'exécutif. Et nous sommes pleinement dans notre rôle quand nous le faisons. Alors après, que certains propos plaisent ou ne plaisent pas, je peux tout à fait l'entendre. Par contre, qu'à un moment, on ne puisse plus s'entendre dans la commission, ça, je ne peux pas l'accepter. Géraldine Bannier. Monsieur le ministre, vous avez annoncé qu'un poids plus important pourrait être accordé à l'orthographe lors des épreuves du baccalauréat. C'est nécessairement une bonne idée que de lui accorder de l'importance. Après des années, nous avons été formés, professeurs de français, par une forme de défaitisme étrange au drôle de message de « vous n'en sauverez pas un ». Or, la maîtrise de la langue, orthographe, mais aussi maîtrise d'un vocabulaire riche, est un bagage très utile lorsqu'il s'agit d'apprendre à exprimer et maîtriser ses émotions, mieux vivre en société. Il suffit de comparer des micro-trottoirs à quelques décennies d'intervalle pour constater quelques différences. La lecture est en cela un excellent vecteur, toujours d'actualité et jamais assez souvent mis en lumière. Pouvez-vous revenir sur l'opération Un livre pour les vacances, qui, je crois, j'en suis même sûre, fait la part belle aux œuvres venues de l'Antiquité, alors qu'on manque une nouvelle fois de professeurs de lettres classiques, avec 41 recrutements pour 134 postes cette année au CAPES externe. Je reçois une question concernant les professeurs documentalistes. Comment peuvent-ils prendre part au pacte? Est-ce au travers des travaux en groupe en information documentation qu'ils mettent en place pour les sixièmes ou pour des missions d'éducation aux médias et à l'information pour lesquelles ils sont en première ligne, comme les collègues de technologie, avec un travail qui se poursuit dans toutes les matières? Merci, madame la députée. On voit que votre ancien métier vous rattrape. Claudia Rouault. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la décentralisation, à mes yeux, était une bonne chose pour les collèges et les lycées. En région Bretagne, on investit 840 millions dans le mandat pour mettre nos lycées dans de bonnes conditions de travail pour les élèves, pour les, bien sûr l'équipe pédagogique, mais aussi les agents. J'ai vu une émission très dernièrement à la télé où les lycées, c'était en Ile-de-France, c'était absolument scandaleux de mettre des élèves dans des situations de travail, et des élèves et l'équipe, bien sûr, enseignante. Quels sont vos moyens, justement, quels sont vos pouvoirs
pour les régions, pour les départements, même pour les collectivités, pour entretenir quelquefois tout simplement des locaux. Merci Madame la députée. Jérémy Batrilétus. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vendredi dernier, après des mois d'attente, le rectorat de Normandie a annoncé le maintien de deux classes situées dans ma circonscription, l'une dans le RPI des Rochefeuilles et l'autre dans le RPI des Quatre Vents. Après une longue mobilisation des parents et des élus locaux que j'ai accompagnés depuis le début, cette annonce est un vrai soulagement pour les élèves et pour les parents. En effet, ces fermetures auraient entraîné des classes surchargées et multiniveaux. Tout au long de cette mobilisation, vous avez été à l'écoute de la ruralité, et je tiens à vous en remercier vivement. Au-delà de ce dénouement heureux, je voudrais vous interroger sur l'avenir de l'ensemble de nos écoles rurales. En effet, l'école de la République se doit de donner aux élèves de nos écoles rurales les mêmes chances de réussite et les mêmes conditions d'enseignement. C'est pourquoi, si la démographie scolaire justifie de nouvelles fermetures dans les prochaines années, ces dernières doivent être mieux anticipées et concertées. Il y a quelques mois, la Première ministre a annoncé des mesures importantes, la carte scolaire à 3 ans et la création de conseils de la concertation. Pouvez-vous nous assurer qu'il n'y aura plus dès l'année prochaine de décision unilatérale de fermeture de classe et que les prochaines fermetures annoncées prendront donc effet dans 3 ans? Pouvez-vous nous confirmer que les instances de la concertation seront bien créées dès l'année prochaine? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Philippe Fay. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, ces dernières années, le taux d'élèves en situation de handicap n'a cessé d'augmenter et les notifications MDPH se sont multipliées. Les accompagnants pour élèves en situation de handicap, AESH, sont au premier rang pour accompagner et aider ces enfants. Il me semblait essentiel de recueillir leurs témoignages et suggestions. C'est dans cette optique que le 30 juin dernier, j'ai organisé une réunion d'échange avec une cinquantaine d'AESH de la 4e circonscription du Pas-de-Calais. De multiples problématiques ont été mises en lumière. Les AESH pointent notamment un manque de moyens humains et matériels pour accompagner et aider les enfants. Il est demandé à ce qu'une meilleure répartition des personnels soit faite, avec moins d'affectations répétitives. Mais surtout, il apparaît primordial que soient réalisées de nouvelles formations permettant aux AESH d'être réellement spécialisés et professionnalisés. Les AESH, qui tiennent à être différenciés des assistants d'éducation, exercent aujourd'hui des missions de service public indispensables pour favoriser l'accès à l'éducation de tous. Aussi, Monsieur le Ministre, quelle est votre position sur le sujet et quelles mesures allez-vous mettre en place pour mieux reconnaître leurs droits et améliorer leur situation en tant que contractuels essentiels à l'action publique ? Merci. Merci, Monsieur le député. Idir Boumertit. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous ai questionné plusieurs fois sur les mesures gouvernementales visant à renforcer la mixité sociale dans nos espaces scolaires. Vos réponses sont malheureusement restées vagues, alors même que la ségrégation sociale existante dans nos établissements augmente et que vous affirmiez vous-même que la France est le pays de l'OCDE où la ségrégation scolaire est la plus forte. Nous savons que 35% de la ségrégation sociale entre collèges en France est liée au contournement de la carte scolaire. Si elle concourt actuellement à augmenter la ségrégation scolaire, elle peut aussi être un levier de réduction. Ainsi, comment peut-on constater que parmi les 10% des secteurs scolaires qui ont le taux de pauvreté le plus élevé, il y en est 1 sur 5 qui borde un secteur au taux de pauvreté 3 fois plus faible et que ces frontières entre secteurs n'aient pas encore été réévaluées? D'autre part, pourquoi certaines expérimentations, notamment de secteurs multicollèges, ne sont-elles pas généralisées puisqu'elles semblent fonctionner dans la ville de Paris? Merci, monsieur le député. Emmanuel Antoine. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, en vue de la rentrée scolaire de septembre 2023, le gouvernement a prévu dans la loi de finances pour 2023 de supprimer 481 emplois d'enseignants dans le second degré. Et ce, après en avoir déjà supprimé plus de 2200 au cours des toutes dernières années. Les suppressions de postes annoncées interviennent, et vous le savez, dans un contexte de croissance des effectifs scolarisés dans le secondaire. Ces choix de votre ministère m'interrogent, tant ils apparaissent préjudiciables à la qualité des conditions d'enseignement. Des postes d'enseignants vont ainsi être supprimés dans certaines matières, ce qui contraindra leurs collègues à assurer un nombre excessivement élevé d'heures supplémentaires. Il sera en outre plus difficile d'organiser des temps d'enseignement en effectifs allégés, en dépit des injonctions en ce sens. La Cour des comptes, dans un rapport d'octobre 2020, a pointé du doigt le recours accru aux heures supplémentaires dans la fonction publique, dont le coût est d'ailleurs sous-évalué. Alors, Monsieur le ministre, ne pouvez-vous pas revenir sur ces choix en matière de ressources humaines dans l'enseignement secondaire afin d'assurer la qualité des enseignements à ce niveau? Merci, Madame la députée. Stéphane Peu. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, vous le savez, je sais que vous y êtes sensible, Monsieur le ministre, l'école est,
est la principale source d'espérance sociale dans les quartiers populaires, et c'est là qu'elle doit et qu'elle est attendue pour tenir sa promesse d'égalité. Malheureusement, si on croise, et je le fais actuellement dans un rapport parlementaire que je fais sur la Seine-Saint-Denis, si on croise les indices de position sociale et les évaluations tout au long de la scolarité, on s'aperçoit non seulement que l'école reproduit les inégalités sociales, mais pire, elle les aggrave et elle les creuse. Et donc, elle ne tient pas en cela sa promesse. Alors, concours principal, concours supplémentaire, concours exceptionnel, encore une fois, sur les trois concours, il n'y aura pas suffisamment d'enseignants pour l'Académie de Créteil, vous l'avez dit, et pour le département de la Seine-Saint-Denis en particulier. Alors, j'ai deux questions. D'une part, est-ce que vous admettez qu'on est admissible avec une moyenne, avec une note de 4 sur 20 quand c'est 14 sur 20 dans les autres académies? Et si oui, qu'est-ce que vous comptez faire pour que la rentrée soit moins catastrophique? Enfin, juste pour terminer, Madame la Présidente, si vous m'y autorisez, je voudrais apporter ici, de manière tout à fait officielle, mon soutien au ministre face aux attaques qui, de mon point de vue, ne sont pas dépourvues de racisme de la part de l'extrême droite. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre à ces 14 premières questions. Merci, mesdames et messieurs les députés. Je vais peut-être commencer par la question de l'éducation au développement durable que madame la députée Melchior a posé. En effet, nous allons à la fois du côté de l'EMC, donc ça fait partie de la refonte des programmes d'EMC, je l'ai évoqué, également des programmes de technologie, de l'enseignement de technologie en 5e, 4e, 3e, mais l'éducation au développement durable, on la trouve aussi dans d'autres disciplines d'ores et déjà, par exemple dans les programmes d'histoire. La révolution industrielle, pour ne nommer qu'elle, n'est plus enseignée comme on le faisait il y a 20 ans, uniquement du point de vue des bouleversements économiques et sociaux que l'Europe a connus, surtout au 19e siècle, mais également du point de vue des modifications dans le rapport à la nature et dans les effets sur la santé, la pollution des villes et autres données de ce genre. Donc, on peut inclure ces questions relatives au climat et à la nature de manière transversale dans de très nombreuses disciplines. Je mentionne aussi le CNED qui a réalisé le BABA du climat. Donc, vous pouvez aller voir sur le site du CNED. C'est très bien réalisé, donc on va s'en servir. Et puis, une forme de certification en troisième que nous prévoyons. Il n'est pas prévu pour l'instant d'aller du côté du lycée, mais je retiens votre proposition. Madame la députée Ozano, vous avez fait allusion à un article qui n'est pas avec une personne citée, je ne sais pas qui, mais je ne parlerai certainement pas de naufrage en ce qui concerne l'éducation nationale et pas non plus de désétatisation. La fonction publique reste absolument centrale dans l'éducation nationale. Je rappelais les chiffres précédemment, 1,5% d'agents contractuels dans le premier degré, 6 à 8% dans le second degré. La fonction publique reste absolument centrale et j'y tiens absolument. Il ne s'agit pas de remettre en cause. Il s'agit aussi de regarder simplement dans les jeunes enseignants ou ceux qui aspirent à le devenir. Veulent aussi pouvoir changer, sinon de métier, en tout cas avoir des évolutions de carrière. Et donc, ils veulent aussi des portes de sortie, si je puis dire, au bout de 10, 15 ou 20 ans de métier, notamment dans d'autres métiers de la fonction publique. C'est déjà possible, mais plus de portes de sortie. Et puis, nous rendons compte aussi d'une hausse des inscriptions, bienvenue par ailleurs, des inscriptions de candidats qui ont la quarantaine en deuxième partie de carrière professionnelle. Et donc, il faut en tenir compte. C'est évidemment très bien d'arriver avec son expérience professionnelle, d'ingénieur, par exemple, quand on veut être professeur de mathématiques, mais valoriser au mieux cette expérience professionnelle en faisant de telle sorte, c'est aussi quelque chose que nous avons annoncé, que 3 années dans le privé valent comme 2 années dans le public
pour le reclassement de manière à ce que ces quarantenaires ne commencent pas tout en bas de la grille salariale. Donc il faut s'adapter, mais ça n'est pas une remise en cause de la fonction publique. Monsieur le député Arenas, à propos de fournitures, nous publions une liste de fournitures, disons, comme l'année dernière d'ailleurs, raisonnables, c'est-à-dire calculées au plus juste pour les familles. Vous savez aussi à quel point je suis un ardent défenseur de l'allocation de rentrée scolaire, dont les montants ont été annoncés hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, et qui sera versé aux familles, à quelques 3 millions de familles, au moment de la rentrée scolaire. Ça, c'est important. Vous faites allusion aussi à des fournitures qui seraient, gratuites. C'est le cas dans un certain nombre de communes déjà qui ont pris cette initiative. Clichy-sous-Bois, par exemple, la commune de mon collègue Olivier Klein. D'autres communes ont pris des initiatives semblables. La ville de Marseille aussi a annoncé que les fournitures scolaires seraient prises en charge avec différents scénarios. Nous avons aussi calculé et pensé à différents scénarios. Les budgets à l'échelle du pays sont très importants, mais nous soutenons les initiatives qui sont prises par les communes en la matière. Je soutiens aussi très fortement, j'ai eu l'occasion de le dire et je le répéterai à nouveau, l'utilisation complète des fonds sociaux. Les fonds sociaux sont à disposition des chefs d'établissement et malheureusement, ils ne sont pas utilisés complètement. Il faut que les chefs d'établissement dépensent les fonds sociaux pour acheter une paire de chaussures, un équipement sportif, pour aider les familles et les enfants qui ont des difficultés. Donc nous appuyons très fortement et nous demandons fortement que les fonds sociaux puissent être utilisés comme il se doit. À propos des postes non pourvus, je crois que c'était Madame la députée Dubois. Toutes mes excuses. Là, l'heure tourne. Alors, vous pardonnerez cette erreur qui ne tient pas du tout à votre apparence physique, mais c'est le nom. C'est le nom que j'ai mis sur. Alors, nous avons cette année. Nous avions l'année dernière 4400 postes non pourvus. Donc il y a, comme je l'indiquais dans mon propos liminaire, une amélioration. Nous avons moins de postes non pourvus cette année que l'année dernière. Mais j'ai insisté sur le fait que nous avons encore du chemin à faire. C'est vrai en milieu urbain, puisque les postes non pourvus dans le primaire, c'est surtout dans des académies urbaines, à l'exception de la Guyane et de Mayotte quand même que je cite, mais les deux très grosses académies du pays en volume, c'est Versailles et c'est Créteil. Dans votre académie, on n'a pas de difficulté de recrutement pour les professeurs des écoles. En revanche, on a un sujet qui est un sujet important et qui a été évoqué par un ou une autre de vos collègues, c'est celui de la baisse des effectifs scolaires. Ça, nous allons perdre quelque chose comme 70 000 élèves à la rentrée. Ça va s'accentuer d'ailleurs, hein, puisque la natalité baisse fortement à partir. À partir de 2014, vraiment, ça baisse. Hein. Et donc là, on est surtout dans des baisses scolaires dans le primaire. Et puis, ça va se déplacer largement vers le collège. Et puis, dans quelques années, vers le lycée. Et je le note au passage, vers l'université et vers le marché du travail. Dans un horizon de 10 à 15 ans, dans des marchés du travail qui sont déjà des marchés tendus. Et donc, les choses ne vont pas s'éclaircir compte tenu de la situation démographique de notre pays. Mais ce que nous faisons, c'est nous nous assurons que partout, le taux d'encadrement, le ratio entre nombre de professeurs et nombre d'élèves s'améliore. Je crois que vous êtes député de la Haute-Vienne. Corrèze. Bon, je vais finir par y arriver, mais je n'étais pas très loin. Député de la Corrèze, je n'ai pas en tête le taux d'encadrement pour votre département, mais ce que nous faisons pour les départements les plus ruraux, c'est que nous avons un taux d'encadrement qui est un taux d'encadrement meilleur que dans les départements urbains, et c'est normal. Hein, et c'est normal, puisque la distance, l'éloignement fait qu'on a des petites classes, parfois des toutes petites classes,
dans des zones rurales ou au fin fond des montagnes, si j'ose dire. J'ai visité une école dans le cirque de Mafate à La Réunion, qui est peut-être l'une des plus petites du pays. Il faut des heures de marche pour y arriver. Il n'y a pas de route carrossable. Il y a 8 élèves de la petite section OCM2. Le rectorat, nous reconstruisons entièrement cette école. C'est des rotations d'hélicoptères. C'est pour 8 enfants et 7 enfants à la rentrée. Et c'est très bien comme ça. Bien entendu, je pense qu'il faut faire des efforts particuliers. Ce que j'ai dit aussi à propos, et c'était d'une question qui venait, je crois, de monsieur le député Patrieletus, la question du rural. Je me suis engagé, en effet, à donner une visibilité dans les départements ruraux pour que les collectivités puissent avoir, voir de quoi ils retournent plutôt que d'être un peu au pied du mur à partir du mois de février. Et puis pourquoi 3 ans de visibilité? Parce que les enfants qui naissent aujourd'hui, ils seront scolarisés dans 3 ans. Tout bêtement, on a donc 3 ans en tenant compte aussi des mouvements, des déplacements et des déménagements. Mais je ne me suis pas engagé à geler la carte. On a besoin de visibilité. Et compte tenu de la baisse très très forte des effectifs, il va falloir procéder à des ajustements de carte scolaire. Mais moi, ce que je n'accepte plus, c'est que l'on puisse dire à un maire qui vient éventuellement de faire rénover son école ou autre, pour la rentrée d'après, eh bien, on va vous fermer une classe. Les maires, ils ont besoin de visibilité. Ils peuvent aussi comprendre que nous ajustions la carte scolaire, mais pas en étant au pied du mur. Il faut de la visibilité. Il faut aussi qu'on puisse entendre un maire qui nous parle de l'arrivée de telle entreprise ou autre qui va changer la physionomie démographique de sa commune, pas forcément dans 6 mois, mais l'année prochaine, pour qu'on ait un peu de planification et qu'on puisse voir les choses sans avoir le nez collé sur le guidon. Voilà, c'est ça. Et donc, on a ces commissions qui vont se mettre en place, en incluant aussi les préfectures, qui sont évidemment très importantes et partie prenante en la matière, pour discuter non pas de la prochaine carte scolaire, mais pour avoir de cette visibilité, pour planifier les choses. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire et utile pour nos écoles en milieu rural. Plus que cela, même à propos de l'orthographe. En effet, Madame la députée Bagnier, nous avons un sujet qui est celui de la maîtrise du français écrit. Il faut le reconnaître et l'admettre, non seulement au niveau du bac, mais également dans les niveaux inférieurs. J'ai donc avancé, nous avançons sur cette idée qui est celle d'introduire des critères formels de maîtrise de la langue écrite dans les épreuves du baccalauréat. Une copie formidable en philosophie, mais bourrée de fautes d'orthographe et écrite dans un français approximatif, je ne pense pas que l'on puisse faire comme si la forme ne comptait pas. Vous savez comme moi que la forme et le fond sont liés, et donc il faut pouvoir introduire des critères formels par lesquels une copie ne pourrait pas dépasser telle note si le français est par trop déficient. Mais cela a une condition, c'est qu'il faut aussi faire de telle sorte que nos élèves puissent maîtriser les choses correctement. Et donc ça, c'est un effort que nous faisons, par exemple, à partir du cours moyen. Un rapport de l'inspection générale notait qu'en cours moyen, 7% du temps hebdomadaire des élèves était consacré à l'écriture. C'est beaucoup trop peu. Il faut le reconnaître, les élèves souvent remplissent des phrases à trous, hein, des photocopies avec des phrases à trous. Moi, je suis un grand partisan, non seulement de la dictée c'est très important, mais l'écriture ne se résume pas à la dictée. Je suis un grand partisan des rédactions. Le mot fait un peu vieux jeu, je le reconnais, mais écrire dans le temps plusieurs pages et exercer son imagination, d'ailleurs, son imagination créative, c'est excellent. Mais on peut penser aussi au cahier d'écrivain, au compte-rendu de visite, bref, à tout un éventail par lequel on fait écrire nos élèves. C'est très important. Il ne s'agit pas d'opposer la lecture à l'écriture. Les deux vont de pair. Mais nous devons vraiment faire un effort du côté de l'écriture. C'est vrai au cours moyen, c'est vrai au collège, et faire de telle sorte que nos élèves arrivent au baccalauréat
avec une maîtrise de la langue qui soit meilleure qu'aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire autrement, je ne peux pas être satisfait de la maîtrise écrite de nos élèves. Et on a des établissements très sélectifs d'enseignement supérieur avec des enseignants qui nous disent que le niveau d'élèves par ailleurs excellent, le niveau de langue de ces élèves n'est pas satisfaisant. Il s'est dégradé sur ces 15 ou 20 dernières années. Donc il faut pouvoir saisir le taureau par les cornes, si je puis me permettre, et placer la question de la maîtrise de notre langue, notamment de la maîtrise écrite de notre langue, tant d'un point de vue orthographique que syntaxique, et d'une manière générale grammaticale, faire de cette question une question centrale avec un effet sur la notation, si vous voulez. Voilà. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devons et nous pouvons avancer. Je me réjouis que l'accent mis sur les lettres classiques et sur, en l'occurrence, les mythes grecs vous plaise. Ça ne me surprend pas, bien entendu. Nous devons beaucoup à Homère, et il y a chez Homère de quoi raconter des histoires, de quoi lire des histoires et de quoi se familiariser également avec l'Antiquité, puisque l'Antiquité est au programme des élèves de 6e. Et donc, ça fait en quelque sorte une transition heureuse. Vous avez souligné aussi la question des professeurs documentalistes qui peuvent en effet être pactés. Je sais qu'il y a des problèmes d'horaire parfois, mais bien entendu, les professeurs documentalistes peuvent tout à fait prendre des missions proposées dans le cadre du pacte. Monsieur le député, encore deux ou trois choses. Une chose sur les suppressions d'emplois. Je crois que là, c'était madame la députée Antoine, cette fois-ci, je ne me trompe pas, liées au secondaire. Alors, dans le secondaire, on a une baisse des effectifs. Nous avons une baisse des effectifs qui est encore faible cette année. Non, on a une baisse des en fait, alors c'est juste l'essentiel, le gros des troupes manquantes, c'est du côté du primaire, mais du côté du secondaire, on commence à enregistrer une baisse des effectifs du côté du collège, pas encore du côté du lycée. Et les chiffres que j'avais, c'était, elle est encore très faible, on est à moins 2000 élèves dans le secondaire à la rentrée 2023. Donc c'est évidemment une toute petite proportion, mais cette proportion va s'accroître au fur et à mesure. Un mot sur les AESH, monsieur le député Fay, vous y avez fait allusion. Du côté des AESH, alors on progresse. Un des enjeux, c'est l'amélioration de la situation des AESH avec la CDIsation que nous devons aux parlementaires, la CDIsation en 3 ans au lieu de 6, avec la prime d'éducation prioritaire qui est versée aux AESH et aux AED depuis le 1er janvier dernier, avec l'augmentation nette des rémunérations des AESH de 10% à partir de la rentrée de septembre. C'était aussi une proposition parlementaire. La dernière étape importante à court terme, c'est celle des 35 heures, de passage de 24 à 35 heures. Et nous avons deux voies pour cela. Celle de la contractualisation avec des collectivités de manière à ce que les AESH aient une seule fiche de paie et que la collectivité nous rembourse du temps périscolaire, puisque, comme vous le savez, le Conseil d'État nous a enjoint de ne pas rémunérer sur le temps périscolaire. La deuxième voie possible, c'est celle, en effet, de compléter le service par 11 heures supplémentaires, de 24 à 35, dans la vie scolaire. La vie scolaire, ça n'est pas fusionner les AED et les AESH, surtout pas. C'est rapprocher les AESH qui le souhaitent, elles ne le souhaitent pas toutes, mais celles qui le souhaitent, de la vie scolaire pour effectuer des heures de vie scolaire qui peuvent être liées à l'école inclusive. Parce que des élèves en situation de handicap, dans le temps, par exemple, des récréations ou autres, ce sont des élèves qui peuvent avoir besoin aussi de la présence d'AESH. Donc nous voulons compléter, sur une base évidemment facultative, le service des AESH en le rapprochant, mais certainement pas en le fusionnant avec la vie scolaire. Sur les
Un mot peut-être sur l'Académie de Créteil, monsieur le député Peu. En effet, l'Académie de Créteil est largement concernée, je l'ai dit, par les difficultés de recrutement de professeurs des écoles. C'est quelque chose qui a plusieurs années, ça va un peu mieux, comme je l'ai dit, pour 2023 par rapport à 2022, mais nous aurons recours, comme les années précédentes, à un volant d'enseignants contractuels, dont certains sont d'ailleurs des enseignants expérimentés. Seuls 13% des enseignants contractuels n'enseignaient pas l'année précédente. Donc 87% des enseignants contractuels sont des enseignants qui ont une expérience d'enseignement, parfois d'ailleurs tout à fait conséquente. Donc c'est bien, je ne nie pas les difficultés et ni le niveau de recrutement, d'admissibilité. C'est bien ça que nous avons, si je puis dire, à saisir. Et c'est notamment en pensant à l'Académie de Créteil que je propose un recrutement à bac plus 3 qui est avantageux aussi du point de vue des étudiants de votre département qui peuvent financer des études à bac plus 3. C'est beaucoup plus difficile à bac plus 5, donc c'est un concours qui est plus accessible. Ça permet de recruter localement, d'avoir ce que j'appelle des hussards noirs, et puis ensuite de payer sur 2 années jeunes gens qui ensuite auront un engagement, bien entendu, un engagement de type engagement décennal, hein, comme pour les élèves des ENS aujourd'hui ou autres, pour que nous rentrions dans nos frais, si je vous dis, enfin qu'il y a un effet, évidemment, qui soit un effet positif sur plusieurs années. Je pense que ça, c'est une réponse très importante et socialement juste et qui permettrait de valoriser une jeunesse qui a envie de s'engager au service des plus jeunes. Et j'espère que nous allons pouvoir avancer. Et je suis tout à fait disposé à en parler avec vous. Un point sur l'éducation prioritaire. C'était vous, monsieur le député Boumertil, vous avez fait allusion à la réforme d'Affelnet et au secteur multilycée. C'est une des vraies possibilités. Mais ça se fait aussi. Là aussi, c'est de la sectorisation. Et donc, ça se fait avec l'accord des collectivités. Moi, je ne peux pas, du point de vue du ministère de l'Éducation nationale, décider de la sectorisation. Ça ne peut se faire qu'avec l'accord des collectivités. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité de parler avec des collectivités engagées dans le domaine. Et puis, l'éventail aussi des possibilités, parce qu'en Seine-Saint-Denis, on n'avance pas tout à fait de la même manière que dans une ville comme Paris. Je retiens la proposition de monsieur le député Le Vigoureux à propos de ce dilemme qui consiste à objectiver tout en regagnant le temps qui est le temps des programmes et le temps d'enseignement. Ça fait partie des cartes que nous étudions de manière à pouvoir arriver à une situation satisfaisante. L'éducation prioritaire, on va sans doute commencer par le REP+, parce que c'est le plus stable, je disais, dans le temps, de manière à pouvoir avoir une première fournée REP+, pour la rentrée 2024. Voilà. Je disais que c'était beaucoup plus compliqué du côté REP pour des raisons. Et puis, le coût des... Je crois que c'était vous, madame la députée Piron, à propos des coûts de réparation. À la verrière. À la verrière, c'est cela? Alors, nous travaillons d'abord sur l'organisation avec un objectif prioritaire, c'est la scolarisation des enfants au 4 septembre. C'est que tous les enfants soient scolarisés dans les meilleures conditions possibles. Hélas, pas les conditions idéales, puisque certains enfants devront faire des trajets plus importants. Il y a des systèmes de navettes qui sont prévus que ce qui était évidemment existant. Une école, c'est 2 à 3 années pour construire. Donc, ce ne sera pas pour la rentrée 2023, ça va de soi. Ce ne sera pas pour la rentrée 2024. Ce sera au mieux pour la rentrée 2025 en ce qui concerne les écoles qui ont été complètement détruites. Pour les autres écoles, y compris celles qui ont connu des départs de feu, je mentionnais l'école de Beson il y a quelques instants,
les réparations vont être faites. Ce sont des réparations sans doute coûteuses. Et la Première ministre a parlé d'un accompagnement de l'État pour les communes concernées. Mais cela ne remet pas en cause la rentrée scolaire pour les enfants concernés. Mais nous devons avoir une attention particulière pour les trois écoles qui nécessitent une reconstruction complète. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je vais redonner la parole maintenant pour la dernière salve de questions. Bertrand Sort. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, tout d'abord, vous exprimez mon plein soutien dans votre action face aux attaques innommables dont vous faites malheureusement la victime. Dans un entretien au Monde, vous avez récemment déclaré vouloir recruter des professeurs des écoles à Bac plus 3 contre Bac plus 5 aujourd'hui, tout en maintenant une formation rénovée et rémunérée sur 2 ans après le concours pour ne pas renoncer à la mastérisation des professeurs. En effet, si la crise des recrutements n'est pas aussi aiguë qu'en 2022, elle est toujours là, il faut y remédier et vous vous y employez avec énergie. Vous pensez faire entrer cette réforme en vigueur à partir de 2025. Celle-ci permettrait d'attirer davantage de candidats avec des profils différents, ce qui aurait pour effet de diversifier le corps enseignant. C'est à mes yeux une vraie nécessité. Ayant, il y a bien longtemps déjà, bénéficié d'une formation à l'École normale d'instituteurs, juste après le bac, à l'âge de 18 ans, je pense, tout comme vous, que cette proposition va dans le bon sens. J'espère qu'elle permettra de créer des vocations chez un plus grand nombre de nos jeunes concitoyens, car être enseignant reste le plus beau métier du monde. Dès lors, Monsieur le Ministre, en complément des informations que vous avez déjà fournies dans vos propos liminaires, pouvez-vous nous évoquer les plus-values attendues par cette possible décision ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Lisette Paulet. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le 27 juin dernier, vous avez annoncé avoir saisi le Conseil supérieur des programmes afin qu'il élabore un programme d'éducation à la sexualité, comme il en existe pour toutes les matières. Mettez-vous donc ces cours au même niveau que les matières académiques? Devons-nous nous préoccuper d'une prochaine épreuve de brevet ou de bac aussi? L'éducation à la sexualité n'a pas lieu d'être dans les classes du primaire. L'éducation au respect des autres et de soi-même n'est pas de l'éducation sexuelle. Et il est délétère de tout mélanger. Laissez nos enfants se construire tranquillement, apprendre à lire, à écrire et à compter. Quant à introduire des concepts comme l'identité de genre dans les programmes scolaires, ce n'est pas de l'éducation sexuelle, c'est de l'idéologie. Le problème des jeunes n'est donc pas pour vous l'ignorance de la langue, leur incapacité à écrire, mais bien l'éducation à la sexualité. Ne devez-vous pas plutôt vous préoccuper de notre classement PISA ? Je vous remercie. Merci. Fabienne Colboc. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis son lancement en janvier 2022, la part collective du Pass Culture a permis à plus de 2 millions d'élèves de participer à des actions d'éducation artistique et culturelle dans le cadre scolaire. 50% de la cible nationale en a bénéficié avec des actions dans tous les départements pour près de 145 000 offres collectives proposées. À titre d'exemple, en Indre-et-Loire, depuis janvier 2022, c'est près de 82% des établissements scolaires cibles qui ont réservé une offre AC. Dès la rentrée de septembre 2023, les classes de 6e et de 5e pourront aussi profiter du dispositif par collective. Et c'est une très bonne nouvelle. Cela représente environ 1,6 million d'élèves supplémentaires. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire les retours que vous avez sur les impacts du dispositif actuel, les freins qui ont été observés et ou au contraire les impulsions qu'il a offertes aussi bien du côté des établissements culturels que des élèves? Je vous remercie. Merci. Laurent Esquenet. Ah non, il... Donc, voilà. Anne Brunira. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses détaillées à toutes nos questions. Vous le savez, la loi RILAC a permis de nombreuses avancées pour le métier de directeur d'école en ce qui concerne la reconnaissance, la revalorisation, la simplification et le soutien dans cette fonction. Directeurs et directrices ont de nombreuses responsabilités et leur manque souvent des moyens et du temps. En ce qui concerne le temps, les temps de décharge, grâce à notre travail, ont été augmentés à la rentrée 2022, notamment pour les écoles de 6 et 7 classes, qui sont passées de 25% à 33% de décharge, et surtout la décharge complète, qui est désormais acquise des 11 classes. Élue de Lyon, je suis inquiète pour nos directeurs d'école, car nous subissons depuis 2 ans de très nombreuses fermetures de classes. C'est normal, c'est lié à la démographie. Moins 54 classes en 2022, moins 40 classes en septembre 2023. Cette démographie scolaire en baisse
il faut l'accepter, et ces fermetures avec, néanmoins, elles peuvent être très impactantes pour nos directeurs, car certains peuvent perdre leur décharge totale et passer à une demi-décharge pour une classe perdue. Aussi, ma question est la suivante. Serait-il possible d'être vigilant pour ces directions s'il n'y a pas de nouvelle baisse de seuil de décharge? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Bruno Bild. Merci, Madame la présidente. Monsieur le ministre, si la baisse du niveau est niée depuis de trop nombreuses années, les professeurs tirent régulièrement la sonnette d'alarme, notamment à l'issue des épreuves du baccalauréat, qui ne leur semblent pas toujours attestées du même niveau qu'il y a 40 ans, époque où il était encore une porte d'entrée viable vers le monde du travail. Des études mentionnent des disparités entre élèves de filières techniques et professionnelles et ceux issus de la filière générale dans la maîtrise du français, notamment en grammaire et en syntaxe. Votre ministère confirmait même cette tendance, puisqu'en 2021, il estimait que 55,7% des élèves de 3e avaient une maîtrise satisfaisante du français, contre 58% 5 ans plus tôt. La baisse du volume d'heures de français depuis 50 ans est mise en cause, avec une perte de près de 520 heures de français sur l'ensemble du cursus primaire-collège. La maîtrise de la langue étant un facteur d'intégration et de résorption des inégalités, envisagez-vous d'enfin rajouter des heures dans les disciplines les plus élémentaires, au premier rang desquelles la langue nationale? Je vous remercie. Merci. Céline Calvez. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, en préambule, j'aimerais vous remercier pour les efforts que vous avez pu apporter à la recherche d'une meilleure mixité sociale à l'école, et vos annonces du 17 mai en relève. Je voulais néanmoins vous amener à nous répondre sur un autre sujet, celui de l'orientation des élèves. Dans son programme en 2022, le président de la République avait recommandé la mise en place d'une demi-journée par semaine consacrée à la découverte des métiers pour les élèves dès la classe de 5e. Au sein de ma circonscription, à Clichy, dans le collège Van Gogh, on a fait l'état d'une expérimentation. On a pu échanger sur les différentes clés pour mettre en place cette découverte des métiers. Quid, d'après vous, de la place du dialogue entre l'école et l'entreprise, de la place du dialogue entre l'État et les régions, qui peuvent avoir aussi cette compétence, et quel est, d'après vous, le rôle aussi à donner à ces connecteurs, que peuvent être des associations telles que Entreprendre pour apprendre ou encore Job IRL, qui mettent en lien ces différents mondes? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Frédéric Meunier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, le harcèlement scolaire est un véritable fléau. Deux collégiens, l'INSEE et Lucas, se sont suicidés après avoir été victimes de harcèlement. Et pourtant, ils étaient scolarisés dans des établissements dotés du programme phare. Ne devriez-vous pas en déduire que votre programme est bien peu efficace? Et mettre en place une heure de sensibilisation pour tous les collégiens n'est-il pas un coup de com'? En réalité, le personnel de l'école fait mine de ne pas voir, ou les enseignants disent que ce n'est pas de leur responsabilité. Malheureusement, peu nombreux sont encore les établissements qui agissent véritablement pour la protection de leurs élèves. Deuxième question, je voulais aborder la question de l'instruction en famille. Messieurs Macron et Darmanin s'accordent pour dire que l'État n'a pas à se substituer aux parents, et c'est donc aux parents d'éduquer leurs enfants. L'heure est donc bien choisie pour vous demander pourquoi avoir supprimé le droit et même le devoir des parents de choisir l'instruction en famille qui correspond le mieux à leur enfant. Ne croyez-vous pas qu'il est urgent de rendre aux parents le droit de faire leur travail de parents en revenant au régime déclaratif de l'instruction en famille? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Christophe Marion. C'est bon ? Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, avant de parler de rentrée scolaire, je souhaiterais évoquer les vacances scolaires. Vous étiez hier à Avignon pour saluer les élèves de l'école Louis Gros qui bénéficient du dispositif des vacances apprenantes étendu à 27 établissements du Vaucluse. Je crois que nous sommes tous d'accord ici pour dire la nécessité absolue d'accompagner les élèves les plus fragiles durant les longues périodes de congé afin de ne pas leur faire perdre le bénéfice des mesures mises en place par ailleurs tout au long de l'année. Je pense ici notamment au dédoublement des classes de CPCE1 en REP et REP+, par exemple.
Ma question porte sur un autre dispositif, les colonies apprenantes, initiées avant l'été 2020 pour répondre aux conséquences du confinement sur les apprentissages des élèves. Elles ont rencontré un réel succès et sont reconduites chaque année depuis. 230 000 élèves ont été ainsi accompagnés grâce à un engagement de votre ministère qui s'est élevé à 180 000 euros. Quel bilan portez-vous de ces expérimentations? Et surtout, envisagez-vous d'attribuer une ligne budgétaire claire et définie aux colonies apprenantes, alors même que les financements sont reconduits chaque année après évaluation, sans donner de véritable visibilité aux associations partenaires quant à l'avenir de cette opération? Merci, monsieur le député. Marie-Pierre Rixin. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, si la vie affective et sexuelle peut être source de joie et d'épanouissement, elle peut être aussi à l'origine d'inégalités entre les femmes et les hommes et faire l'objet de violences physiques ou psychologiques, y compris d'ailleurs dans la sphère familiale. Rappelons que 51% des violences sexuelles sont subies avant l'âge de 11 ans et que 44% d'entre elles ont lieu dans la sphère familiale. Les stéréotypes et les biais sexistes prégnants dans notre société sont évidemment source de nombreuses ruptures d'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis 2001, la loi impose 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Merci, monsieur le ministre, pour votre engagement à vouloir enfin faire appliquer la loi. Pouvez-vous nous expliquer la mise en œuvre de ces séances? Et enfin, je terminerai par vous rappeler notre soutien face aux attaques absolument intolérables que vous traversez. Merci, madame la députée. Isabelle Périgaud. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, je souhaite vraiment y revenir. Les résultats successifs des enquêtes PISA montrent que la France se situe en dessous de la moyenne des pays développés, notamment en mathématiques. Le résultat de l'étude internationale PIRLS, réalisée dans 50 pays entre 2021 et 2022 et publiée le 16 mai dernier, montre de son côté que la France est à la traîne des pays développés concernant cette fois la lecture. Vous l'avez reconnu tout à l'heure. Le retard dans les apprentissages de la lecture pèse très lourd sur les écoliers défavorisés. Avec la lecture, nous le savons, on développe des compétences réutilisables dans tous les autres enseignements. C'est donc avec étonnement quand même que nous avons appris il y a quelques semaines cette volonté de mettre en place les cours d'éducation à la sexualité ou encore le 20 juin dernier, avec l'annonce de notre première ministre, de la mise en place du savoir vert évalué à la fin des collèges. La priorité ne devrait-elle pas d'améliorer le niveau de nos enfants sur les savoirs fondamentaux que sont la lecture et les mathématiques plutôt que de rajouter encore de nouveaux enseignements? Alors ma question elle est simple, monsieur le ministre, même si vous l'avez succinctement évoqué tout à l'heure, que comptez-vous mettre en place pour précisément renforcer l'enseignement de nos savoirs fondamentaux? Je vous remercie. Merci, madame la députée Annie Genevard. Merci, madame la présidente, monsieur le ministre. Nos travaux en commission sont aussi là pour évoquer des sujets un peu spécifiques. Je voudrais vous soumettre une question concernant l'enseignement technologique. J'ai été alertée par un professeur du lycée technologique Victor Bérard à Morée qui forme des élèves opticiens et lunetiers et qui s'alarme du fait qu'ils perdent beaucoup d'élèves concurrencés en cela par les CFA qui se multiplient, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, et une sorte de concurrence, mais après tout la concurrence n'est pas toujours mauvaise, elle peut être source de progrès. Or l'espèce, ce professeur qui est aussi un examinateur constate des niveaux très faibles parfois des élèves qui suivent l'enseignement dans ces CFA. Certains sont d'excellents CFA et je ne voudrais surtout pas, vous savez que aux Républicains, nous sommes très attachés à la formation et à l'apprentissage. Mais en l'espèce, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à nous dire sur cette concurrence entre ces établissements? Merci, madame la députée. Farida Amrani. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, dans ma circonscription, déjà à la rentrée scolaire de 2022, pas moins de 1 000 élèves se sont retrouvés sans affectation pour leur rentrée au lycée. Ce phénomène se répète à nouveau pour la rentrée de 2023. Monsieur le ministre, cette situation déjà connue par vos services de l'éducation nationale aurait dû être anticipée et donc évitée, mais il n'en est rien. Les centaines d'élèves concernés se trouvent ainsi privés de leur droit à l'éducation, alors que chaque enfant devrait pouvoir avoir droit à une orientation choisie et non subie, orientation choisie tant du point de vue du type de la filière
que de la proximité de leur domicile. Monsieur le ministre, entendez-vous vraiment l'urgence de la situation et serez-vous en mesure de garantir une affectation à chaque collégienne et collégien de ma circonscription sans leur demander un redoublement alors qu'elles et qu'ils avaient un passage au lycée et un passage bien mérité. Je vous remercie. Merci. Paul Molac. Voilà, c'est bon pour le micro. Merci, Madame la Présidente. Donc, si j'ai bien compris, maintenant, il y aura donc un concours à l'issue de la licence avec des professeurs qui deviendront finalement professeurs stagiaires, comme ça se faisait autrefois. Donc, ce qui me semble effectivement être une ressource pour pouvoir avoir un peu plus de personnes. Je pense que c'est une très bonne chose. Vous avez aussi parlé de tâches supplémentaires qui seraient données aux enseignants. Est-ce que, selon vos remontées, est-ce que ça... Parce que j'ai eu des avis assez divergents sur le terrain. Ça, c'était ma deuxième question. Et ma troisième question concerne, et évidemment, les langues régionales, vous en... D'où très bien. En particulier, l'article qui consiste à ce que, dans le cadre de conventions qui sont signées avec les collectivités locales, il y ait une proposition généralisée d'enseignement des langues régionales. Donc, est-ce que votre ministère suit cela? Je sais que oui. Et les difficultés qu'on peut avoir. Et donc, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Merci, monsieur le député. Rachel Kéké. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la rentrée scolaire prochaine. Je souhaite vous alerter sur la situation très préoccupante des conditions d'études de nos enfants. En maternelle, les parents d'élèves de l'école de La Roseraie à l'Aïle-les-Roses se sont mobilisés depuis le mois de février contre la fermeture d'une classe et continuent de la faire pour plus d'AESH. En élémentaire, les parents d'élèves de l'école du centre de l'Aïle-les-Roses se mobilisent eux aussi pour plus d'AESH. Au collège Francine Fromont, à Fresnes, les parents et professeurs se sont mobilisés le mercredi 21 juin dernier devant le rectorat pour demander le remplacement pérenne du principal, à qui connu 4 directeurs en 4 ans, le passage en REP et l'ouverture d'une classe supplémentaire. Au lycée Mistral, à Fresnes, les représentants du personnel sont en attente depuis le samedi 3 juin pour une audience auprès du recteur. Nous manquons de tout à tous les niveaux, de la maternelle au lycée. Nous manquons de moyens, nous manquons de professeurs, nous manquons de classes, nous manquons d'AESH. Alors, monsieur le ministre, comment est-il possible que le statut d'AESH ne soit pas revalorisé? Madame la députée, dans la commission, c'est une minute. Ah, pardon. Voilà. Désolée, je ne savais pas. Oui, mais on a bien compris que vous ne connaissiez pas les usages de notre commission. C'est pour ça que je me permets de vous le rappeler. Mais au bout de 30 secondes de dépassement, je suis obligée de vous couper le micro et de donner la parole à Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, ma question concerne les 30 minutes d'activité physique par jour. Il devait être généralisé à la rentrée dernière. On voit bien que la généralisation n'est pas effective dans l'ensemble des classes. Pour cause, les professeurs ne sont pas tous formés à ces activités, n'ont pas tous aussi une formation nécessaire pour les mettre en œuvre de la meilleure des manières. Ne serait-il pas plus judicieux de regrouper ces 30 minutes qui ont lieu sur 4 jours plutôt sur deux temps d'une heure, en faisant intervenir des éducateurs diplômés des associations sportives pour les ouvrir sur une pratique sportive réelle? Parce que la réalité, c'est que si vous voulez donner une base et une culture physique à ces enfants-là, ça ne passe pas forcément par l'école. Ça doit passer par les clubs où il y a des gens passionnés, des éducateurs diplômés et où on peut inscrire une pratique et une progression dans la durée. Merci, monsieur le député. Mais j'aurais envie de vous répondre, peut-être je m'avance un peu, mais c'est pas antinomique que de faire 30 minutes d'éducation physique par jour et de faire en plus de l'éducation physique et sportive. Non, mais je dis ça parce que on a vu quand même les bienfaits des 30 minutes physiques pour lutter contre la sédentarité. Comme c'est un sujet qui me tient à cœur, je me suis permise de répondre. Mais monsieur le ministre, vous avez la parole maintenant.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Une salve encore de questions, en commençant peut-être par réitérer mon intérêt, ma volonté pour le Bac plus 3. C'était vous, Monsieur le député Sor, et les plus-values évidentes du point de vue du recrutement, je dirais du point de vue aussi de l'égalité des chances, l'accès à un métier qui a historiquement été un métier d'ascension sociale. Les enfants d'instituteurs, les enfants de paysans étaient devenus instituteurs. Et parfois plus, je pense au président Pompidou, qui était lui-même fils d'instituteur et petit-fils de paysans. Et on pourrait trouver de très nombreux exemples similaires, parfois dans vos propres familles, peut-être. Donc on a ça, cet élément tout à fait important. Également une formation que nous pouvons travailler de manière à ce qu'elle soit aussi efficace que possible. Ces 2 années rémunérées avec des stages, avec tout un travail pour faire et avoir des professeurs des écoles qui soient opérationnels et qui puissent rendre les meilleurs services possibles. Donc je crois qu'à tous égards, c'est positif. Il y a eu quelques questions sur l'éducation artistique et l'éducation à la sexualité, y compris de vous, Madame la députée Paulet, je crois, pour remarquer tout simplement que c'est la loi. Hein, la loi du 4 juillet 2001 nous oblige à 3 séances d'éducation à la sexualité du CP à la terminale. Et donc, nous devons respecter la loi. Vous, et en tant que législatif, vous pouvez vous opposer, vous pouvez critiquer la loi, vous pouvez la changer si vous le souhaitez, mais la première chose à faire, c'est de respecter la loi. Or, on a amélioré les choses, puisque j'ai fait faire un sondage flash il y a très peu de temps qui nous donne quelque chose comme 36,5% ou 37%. De classe, 37,8%, pardon, des élèves qui ont bénéficié d'au moins une séance au cours de l'année. L'année dernière, on était à 17,1%. C'est donc une amélioration, mais on a encore du chemin à couvrir, d'où le fait que j'ai saisi le Conseil supérieur des programmes. Savez-vous que opposer ces enseignements aux fondamentaux, c'est à mon avis une perspective à courte vue, parce que dans les pays qui ont les meilleurs résultats scolaires, hein, dans les classements internationaux, que ce soit Pearls, Teams ou PISA, eh bien on constate que les élèves, ils ont de l'enseignement à la sexualité, ils ont de l'enseignement au développement durable, et donc c'est pas comme une perspective uniquement quantitative de robinet d'eau et de volume horaire. On a des questions qui sont aussi des questions de pédagogie. Le renforcement des savoirs fondamentaux auxquels nous, et je suis particulièrement attaché, j'ai mentionné l'heure et demie de mathématiques, j'ai mentionné l'heure de français et de mathématiques en sixième en plus, j'ai mentionné l'accent mis sur les travaux d'écriture à l'école élémentaire, que cet accent mis sur les savoirs fondamentaux, il est tout à fait possible de le concilier avec d'autres enseignements qui sont nécessaires. L'enseignement à la sexualité, on sait que c'est bon pour les relations entre les filles et les garçons. Ça fait diminuer les violences sexistes et sexuelles. C'est bon pour le climat scolaire en général. Ça fait baisser le harcèlement. Ça n'a que des avantages. Alors ensuite, on peut dire il vaut mieux que ce soit dans le cadre familial. Mais en réalité, l'enseignement à la sexualité, si ça n'est pas l'école qui l'assume, est-ce que vous croyez que ce sont toujours les parents qui le font ? Moi, je vois aussi le relais pris, malheureusement, par l'industrie pornographique. Et j'ai échangé avec 3 sénatrices qui m'ont remis un rapport tout à fait pertinent sur le sujet il y a quelques mois, Madame Borchio-Fontin-Cohen et puis Rossignol, qui ont travaillé sur le sujet. Et donc, il faut aussi se rendre compte de la situation de nos élèves. Et nous avons une mission là, qui est une mission à la fois de connaissance, mais aussi une mission relative au bien-être de nos élèves, qui a un lien avec la réussite scolaire. Les pays qui réussissent très bien dans le nord de l'Europe, ils ont de l'éducation à la sexualité. Donc, ce n'est pas apprendre à lire et ne faire que ça. Ça se combine. Et les questions de pédagogie sont également essentielles. En volume d'heures, par exemple, de mathématiques enseignées, on est dans la bonne moyenne européenne.
Donc on peut aussi, de manière, je dirais, mécanique, rajouter des heures, mais ça n'est pas que la... Nous le faisons avec l'heure et demie de mathématiques, mais ça n'est pas que la seule réponse. Nous devons aussi penser aux questions de pédagogie, au type, à la manière dont les mathématiques, par exemple, sont enseignées. Une approche historiquement très abstraite dans l'enseignement des mathématiques en France, plus abstraite que dans d'autres pays. Il y a des approches qui sont des approches plus, comment dirais-je, plus pratiques, voire plus ludiques. Il y a un très bon rapport qui a été remis par Villani et Torossian il y a quelques années, qui le montre très très bien. Donc, moi, je me permets de souligner le fait que lorsqu'on parle savoirs fondamentaux, on parle aussi pédagogie, type d'enseignement, et pas seulement l'accroissement. Et c'est pour cela que nous travaillons justement aux questions de pédagogie, le plan français, le plan mathématique qui forme des enseignants dans le premier degré, les professeurs des écoles, donne de très bons résultats parce qu'on doit effectivement travailler la manière dont le français et les mathématiques sont enseignés dans le premier degré. Nous allons faire de même d'ailleurs avec le plan maternel pour les professeurs des écoles qui enseignent en maternelle, en particulier pour l'acquisition du vocabulaire. Un mot sur le pass culture, Madame la députée Colbock, je crois que ça venait de vous. On a effectivement un très bon résultat, de très bon retour en matière, de pass culture collectif, avec après les années difficiles de crise sanitaire et autres, il y a une sorte de décollage du pass culture collectif à partir du mois de septembre, qui était vraiment très impressionnant, bien au-delà de ce qu'on prévoyait d'ailleurs. Avec donc 82% des établissements qui ont activé le pass culture collectif et 52% des élèves qui ont bénéficié du pass culture collectif cette année. On va faire mieux encore l'année prochaine, donc c'est le premier retour très très positif. On a encore une difficulté que vous connaissez sans doute, c'est celle des transports, en particulier, mais pas seulement dans les régions rurales, puisque le pass culture collectif ne prend pas en compte le transport scolaire et donc le coût de location d'un car ou le coût de déplacement vers une activité artistique ou culturelle peut être à lui seul prohibitif et bloquer l'activité en cause. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec le ministère de la Culture et également avec les collectivités. Le bilan est très positif. Je n'ai pas encore de détails sur le type d'activité, mais il y a un élan là qui est un élan évidemment extrêmement favorable. J'ai bien noté, Madame la députée Brunira, votre point à propos des décharges et relative aux baisses démographiques. C'est un point sur lequel je n'avais pas été sensibilisé, mais je me permettrai de vous répondre plus en détail là-dessus. Une question était posée sur les disparités, je crois que c'était monsieur le député Bild, sur les disparités entre bac pro, bac technologique et bac général. C'est tout à fait... exact. Nous prévoyons justement dans la réforme du bac professionnel du travail en demi-groupe sur les disciplines fondamentales, en particulier le français et les mathématiques, parce que nous savons que dans les tests de positionnement de seconde, les élèves de bac professionnel ont des résultats en français et en mathématiques qui sont significativement inférieurs à ceux des élèves de bac, du bac général. Donc on a prévu un effort très important du côté des bacs professionnels qui s'insèrent dans la réforme générale des bacs pro dont j'ai parlé et dont je prolonge justement par la question de Madame la députée Calvez sur l'orientation, c'est la découverte des métiers qui se généralise à partir, qui est expérimentée dans 640 collèges à cette année, qui est généralisée dans les collèges à partir de la rentrée. Donc ça concerne les classes de 5e, puis 4e et 3e. La découverte des métiers, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'aller visiter une entreprise ou de découvrir un métier. Ça peut être le tribunal de grande instance de la ville, s'il s'agit des métiers du droit. Enfin, il y a énormément de possibilités parce que les élèves ont besoin d'avoir un éventail de métiers beaucoup plus grand dans la tête, notamment les métiers industriels qui ne bénéficient pas toujours d'une image très favorable, y compris auprès des jeunes filles. Donc on a besoin de plus
d'élèves dans des filières qui sont des filières extrêmement valorisantes. On n'est plus chez Zola, du côté de beaucoup des entreprises. On a besoin aussi de jeunes filles dans des filières qui sont encore trop massivement masculines. J'observe aussi que le stage de troisième, qui parfois aujourd'hui révèle des inégalités, puisque ce sont les filles qui sont, les familles qui sont chargées de trouver le stage, avec les inégalités entre le stage, j'ai entendu l'expression de pouce gravat, une fois, et puis des stages beaucoup plus valorisants et intéressants. Là, on aura, outre le fait que nous devons nous-mêmes mettre la main à la pâte pour proposer des stages en lien avec des associations, d'ailleurs, pour l'instant, les expériences n'ont pas été si probantes que ça, mais on doit pouvoir s'améliorer. Mais surtout, le stage de troisième va intervenir à l'issue de découverte des métiers de la classe de cinquième, de quatrième, et donc les élèves auront déjà une idée, une envie, plutôt que de devoir à la dernière minute, à partir de l'automne de la classe de troisième, devoir trouver un stage. Et donc je compte beaucoup aussi sur la participation des associations. Je voulais vous remercier au passage pour le colloque tout à fait pertinent que vous aviez organisé sur le sujet il y a quelques semaines. Madame la députée Meunier, vous m'avez interrogé sur le programme phare. Le fait qu'il y ait encore des drames, vous l'avez souligné, ne doit pas nous amener à conclure que le programme phare est inefficace. Ce que l'on doit en conclure, c'est que le programme phare n'est pas encore complètement appliqué. D'une part, parce qu'il a été généralisé aux écoles et aux collèges à la rentrée dernière, qu'il est généralisé au lycée à partir de la rentrée prochaine, mais aussi parce que ce programme, dans ses trois dimensions, doit être bien appliqué. Dimension de prévention et information, dimension de détection et dimension de prise en charge. Dans un certain nombre de situations, on voit que la détection s'est faite, on a repéré les situations de harcèlement, ce qui est bien, mais la prise en charge n'a pas toujours été à la hauteur ou a même été franchement déficiente. On va en voir les réponses des inspections générales bientôt et les rapports qui vont détailler tout cela. Donc l'invitation, ce n'est pas de dire on met à la corbeille le programme phare, ça ne marche pas, c'est plutôt on l'applique aussi bien que possible, parce que lorsqu'il est bien appliqué, les résultats sont là. C'est vrai dans les pays où il a été mis en place pour la première fois, je pense en particulier à la Finlande qui a été pionnière en la matière. C'est vrai aussi dans les académies où on l'a expérimenté, dans les 6 académies où on l'a expérimenté à partir de 2019, par exemple l'Académie de Bretagne, où je me suis penché un peu sur la situation et on a vu des améliorations très nettes. Mais il faut le mettre en place comme il faut. C'est pour ça qu'à partir de la rentrée, nous aurons un enseignant référent rémunéré dans chaque collège qui s'occupera de la mise en place effective du programme phare. Donc nous avançons sur le chemin. Ce n'est pas moi qui vais vous dire que tout est parfait, mais nous avançons aussi bien que possible et de manière extrêmement résolue. C'est une des priorités de la rentrée. Vous avez parlé de la question de l'instruction en famille et la question m'avait été posée l'année dernière. Il y a 4 motifs d'instruction en famille. Les 3 premiers ne posent pas beaucoup de difficultés. Le 4e motif est un motif plus contentieux, incontestablement. Je regardais les chiffres ce matin, on a quelque chose comme 90%, 89,9% des demandes qui ont été approuvées. Donc on est quand même dans une situation où les familles obtiennent satisfaction avec des taux variables selon les 4 motifs. C'est vrai que le 4e motif a un taux d'approbation aux alentours de 62% de mémoire, donc c'est moins que les autres motifs. Et on a une question qui a fait l'objet d'un séminaire national au début du mois de juin, qui était celle de réponses inégales selon les académies, avec des académies avec des réponses non massives et puis des académies plus ouvertes, notamment sur le motif 4. Et donc on avait aussi, nous, à réguler les choses pour que l'éducation nationale puisse offrir une réponse coordonnée et cohérente et homogène aux demandes des familles. Mais je réitère le pourcentage que je donnais, 89,9% des familles ont vu leur demande d'instruction en famille approuvée, ce qui est quand même, on est loin d'une situation qui serait celle de suppression ou de quasi-suppression de l'instruction en famille. On est sur quelque chose comme 60 000 élèves à peu près pour l'année qui vient de s'écouler.
À propos des vacances apprenantes, et je ne vous apprends rien à ce sujet, les résultats sont tout à fait positifs, que ce soit les colos apprenantes ou que ce soit les stages de réussite. Il y a en effet un sujet budgétaire, puisque ce système-là avait été mis en place à l'occasion de la crise sanitaire, du confinement. Il fallait donc compenser les fermetures de classe, les semaines de fermeture de classe, par du temps sur les vacances. Et compte tenu de la qualité des résultats que l'on a avec les systèmes de vacances apprenantes, nous souhaitons et nous faisons en sorte que ce système soit prorogé et institutionnalisé en quelque sorte au-delà de la crise sanitaire. Ce qui occasionne quelques échanges avec le ministère du budget, le ministère des comptes publics, que je salue au passage, naturellement avec déférence. Nous devons faire de telle sorte que cette ligne budgétaire des vacances apprenantes soit prorogée et sécurisée. Madame la députée Genevard, j'ai bien pris note de ce point sur le lycée de Moret. Et d'une manière plus générale, sur les effets de concurrence qui peuvent avoir lieu entre CFA et puis lycée professionnel. Alors, d'une manière générale, la situation est meilleure qu'il y a quelques années, puisque dans beaucoup de lycées professionnels, on trouve déjà des formations d'apprentis avec du CFA et du lycée pro qui partagent des plateaux techniques similaires, notamment des plateaux techniques très, très coûteux dans des domaines industriels ou autres, et des passages tout à fait intéressants de jeunes qui passent du CAP au bac pro ou de jeunes qui passent du bac pro et qui vont avoir un CAP pour compléter une formation. Donc on peut tout à fait penser ces échanges de manière constructive. J'ai eu l'occasion de visiter des lycées professionnels un peu partout, y compris d'ailleurs pas très loin de votre région dans le Jura pour les métiers du bois ou en Haute-Savoie pour l'industrie du décolletage qui réussit très bien à construire ces tissus entre petites entreprises et puis lycée professionnel CFA. Mais il est possible, en effet, je vais me renseigner sur ce lycée de Moret, qu'il y ait localement des effets de concurrence. Je l'entends bien et je vous remercie de ce point. Madame la députée Amrani, sur les lycées, pourquoi y a-t-il des lycéens non affectés? J'ai échangé aussi avec la défenseure des droits à ce sujet. Ce sont pour l'essentiel des lycéens de lycées pro. Et dans les lycées pro, il y a une centaine de spécialités. Et donc, il y a parfois le problème qui est celui de lycéens qui demandent des spécialités qui ne sont pas disponibles dans la région ou dans le voisinage. C'est ça la difficulté. Pour l'essentiel, les chiffres, je ne les ai pas sous les yeux, mais pour l'essentiel, les difficultés d'affectation, elles portent sur les lycées pro, voire les lycées technologiques pour l'une des 8 filières technologiques. Monsieur le député Molac, on n'a pas encore de retour précis sur l'inscription dans les nouvelles missions du pacte, nous sommes tout à fait optimistes d'ailleurs, on aura des chiffres définitifs à partir de la mi-septembre, puisqu'à la rentrée beaucoup de professeurs vont souscrire à des nouvelles missions, mais nous sommes tout à fait optimistes sur notre capacité à obtenir les pourcentages nécessaires qui nous permettront la masse critique nécessaire. Vous connaissez mon attachement aux langues régionales, j'ai eu l'occasion de vous le dire et le redire. Vous faites allusion peut-être à la spécialité du bac de langue régionale. J'attire l'attention sur un point que vous connaissez sans doute, c'est que nous sommes tout à fait disposés à favoriser l'enseignement des langues régionales, mais à hauteur des besoins identifiés. Et parfois, force est de... J'ai d'ailleurs maintenu le deuxième poste de CAPES de Breton l'année dernière. Vous m'aviez remercié pour cela et j'en suis très content. Mais force est de constater que les candidats au CAPES de Breton ne se bousculent pas au portillon non plus. Et donc, la question, c'est aussi celle de la demande. Et moi, je suis prêt à adapter l'offre, mais la demande n'est pas non plus aussi extraordinaire que cela. À quoi...
On en reparlera, mais j'ai échangé effectivement aussi avec le président du conseil régional à ce sujet, y compris pour des questions de mutation et également de décharge à propos de l'enseignement de la langue. J'ai pris note, madame la députée Kéké, des points que vous... des différents éléments que vous avez indiqués concernant la Roseraie, l'école de la Roseraie à l'Aïle-et-Rose et d'autres. C'est en plus ma ville, c'est la Fresne et ma ville d'enfance, donc je connais bien ce petit bout du Val-de-Marne. Vous avez énoncé une série de questions. Sur la question des AESH, j'ai eu l'occasion de dire que nous travaillons à une valorisation des AESH. J'ai mentionné les hausses de salaire, la CDIisation, le passage vers les 35 heures, parce que leur rémunération n'est en effet pas suffisante. Nous avons aussi besoin d'améliorer la formation, 60 heures, mais 60 heures qui commencent souvent à partir du mois de décembre. C'est tard par rapport à la rentrée du mois de septembre. Et vous voudrez bien m'écrire pour me donner des éléments précis sur les fermetures de classe qui peuvent être liées à des baisses des effectifs scolaires. Nous procédons à des derniers ajustements au mois d'août. Il y a trois phases en ce qui concerne la carte scolaire, février, juin et puis août, parce que pendant l'été, il y a des déménagements et des emménagements, et donc les effectifs varient. Et donc, quelques jours avant la rentrée, on procède à des aménagements et on peut mettre un poste si le besoin se fait sentir. Et enfin, monsieur le député Di Filippo de Sarrebourg, sportif, Sarrebourg étant certainement une ville sportive. Les 30 minutes d'activité ont été, avec c'était une année de mise en route, alors il y a certainement des inégalités et des irrégularités. La formation des profs, on l'assure par le biais du SCOL et par le biais de tout un matériel pédagogique que nous avons distribué, y compris d'ailleurs du matériel physique avec des plots, etc. L'idée, c'est, dans l'activité physique, c'est deux choses. D'une part, ce n'est pas du sport au sens de sport avec des règles et des choses bien constituées. Ça existe par ailleurs. L'activité physique, ça peut être par un jour pluvieux, les élèves restent dans la classe et ils vont faire des exercices d'assouplissement. Vous voyez, ça peut être on descend dans le gymnase ou dans le préau pour mettre trois plots et pour courir autour des plots avec une logistique minimale pour que les 30 minutes ne soient pas écrasées par un dispositif lourd. C'est vraiment l'idée. Et plutôt que de regrouper sur une heure ou deux heures pour avoir quelque chose de plus organisé, les spécialistes en santé publique, et notamment ce professeur de Rennes, qui est l'auteur d'une très grosse étude sur la détérioration de la santé de nos élèves, avec des phénomènes de sédentarité qui font que leurs capacités cardio-pulmonaires sont moindres aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 20 ans, dans des proportions d'ailleurs tout à fait inquiétantes et tout à fait préoccupante. Sur les mêmes distances, ils mettent beaucoup plus de temps pour courir que... Ouais, c'est extrêmement impressionnant. Or, ce qu'on lit en consultant cette littérature, c'est que ce qu'il y a de plus efficace, c'est tous les jours. Et qu'il vaut mieux faire 30 minutes tous les jours plutôt que deux fois, deux heures, deux fois par semaine. C'est la répétition et c'est l'heure, en fait, une heure d'exercice par jour, c'est ça qui est recommandé. Donc, avec les 30 minutes, on a déjà la moitié. On peut espérer qu'avec les jeux dans la cour et puis les allées et venues, on ait l'autre moitié. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une heure d'exercice physique par jour. Mais cela s'ajoute au sport en tant que tel. Et je retiens aussi ce que vous dites à propos des clubs, ça c'est juste, mais c'est ce que nous faisons du côté du collège, puisque là on l'a fait de manière expérimentale dans quelque chose comme 140 collèges cette année. C'est deux heures de sport par semaine, non pas de l'activité physique, en lien avec des clubs. Et donc là, on passe à la vitesse supérieure à partir du mois de septembre. Les collégiens auront deux heures de sport de plus par semaine, mais pas deux heures d'éducation physique et sportive, mais deux heures assurées en lien avec un club et donc avec une spécialité sportive des environs. Donc on est très attentif à l'articulation entre club de sport et puis collège. Voilà ce que je voulais dire, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je crois que vous avez répondu à toutes les questions de façon exhaustive.
Donc, je vous tenais à vous remercier pour la qualité des questions, des questions que vous avez suscitées. Voilà, non, mais je remercie pour la qualité des questions suscitées et pour la qualité des réponses que vous y avez apportées. Et demain matin, mes chers collègues, nous continuerons à discuter d'éducation puisque nous examinerons le rapport de la mission d'information chargée de dresser un panorama et un bilan de l'éducation prioritaire à 10 heures. Tout à fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup.